Une chose, celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... Ah, vous arrêtez, s'il vous plaît ! De Gérard. Et voilà, bienvenue sur donc minuit 2h, donc Fun Radio. Donc vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000. Noémie est au standard qui va épauler donc Manu pendant la première heure. Salut Gérard. Salut à vous. Donc bonsoir au standard déjà. Bonsoir Manu, bonsoir salut Noémie. Mon pote. Salut. Salut Phil Dark à la Réa, en espérant que ça va bien se passer. Et n'oublions pas le Rigaud qui est là et normalement qui m'avait dit qu'il ne pourrait peut-être pas être là pour le débat. Bonsoir à tous. Ça a été dans ton agenda là. Ouais, acheter son cahier, ouais, c'est relou. Ok. Alors, 6 juin. Les débats donc vont porter sur les. Devant ton micro, ma poule. Les débats vont porter. Le débat va porter sur les autoroutes et les péages. Et pour ça, on va accueillir Gros Péage, 20 ans de Limoges. Bonsoir à toi. Ouais, bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe. Ta fréquence de Limoges 107.7, bonsoir. 107.7. Donc s'il y a quelqu'un d'autre derrière toi non, parce que tout le monde est, tous les auditeurs sont à l'antenne. Ah non, il y a personne. Hein, non. Donc 107.2 hein, que tu m'as dit. Oui, tout à fait négatif. Yes. OK. La radio derrière. Attention. S'il vous plaît. Poussistam, 23 ans Paris, bonsoir. Oui, Poussistam, bonsoir, 23 ans Paris. Bonsoir Gérard, bonsoir. Bonsoir. S10, 25 ans. A10, 25 ans de Tours, 90.1. Ouais, salut Gérard, salut l'équipe. Bonsoir à toi. Et Benoît S, 28 ans donc de l'autoroute A6. Bonsoir à toi. Non, c'est pas Benoît S, c'est Benoît G, ça commence bien. Bah alors Manu, excusez-moi, j'ai fait une erreur de. Ouais, ça s'appelle. Commence pas, Manu. Bon, donc, t'es dans une guérite de péage, c'est ça que Manu m'a dit vaguement, hein. Exactement, il t'a dit que c'était. Voilà. Il est où alors? Il est dans les guérites, c'est quoi? C'est dans les péages, là, où on donne les skis? Ouais, non, quand on paye. Ah, d'accord. Et donc, t'écoutes la radio sur quelle fréquence, en principe, sans invitation? Ah non, moi, j'écoute pas la radio. Hein. Ah, ok. Donc, t'as appelé comme ça pour réagir. Je suis pas sur France Info. Non, pas du tout. Alors, je te préviens d'une chose. Ou tu réponds correctement aux questions, ou sinon tu as gerbé d'entrée, toi. Hein. Je vais pas m'amuser ce soir. C'est pas parce que Max est pas là que vous avez commencé à me prendre la tête aussi, vous. Hein. Ouais. Ok. Ouais. Donc c'est un avertissement. Au deuxième, tu vires. Maintenant, ça va aller vite. Hein. Ok, alors première question, depuis quelle date existent les autoroutes et péages? Bah tiens, on va commencer par toi. Benoît G, deux fois, ouais, Benoît. Allô. Bon alors, tu réponds quand on te parle. Ouais, depuis combien de temps? Mais moi je sais pas, j'en sais rien. Je travaille je travaille sur un péage, je suis là pour gagner ma vie, je suis pas là pour faire l'historique de l'autoroute. Ok, je connais pas. Je te demande depuis quelle date, tu peux quand même essayer d'essayer de chercher un petit peu quand même. 3 février 75. D'accord. Allez, c'est parti. Ouais, ok. A10. Ouais, moi je crois que c'est dans les années 60 plutôt. Mm-hmm. Mm. Ouais, je pense aussi. T'as pas fait des recherches pour savoir quand est-ce qu'on a été construit les premières autoroutes? Ah, c'est une demande des fouilles approfondies, GG, pourtant t'as l'habitude. Oui, voilà. Mais c'est Poussistam. Poussistant, putain, mais c'est pas compliqué à dire. Poussistant. Ouais, bah en plus, j'ai rien compris à ta question et mon combiné il pue la mort, je sais pas ce qui s'est passé, enfin bon. Je te préviens, si tu te fous de ma gueule, tu retournes au standard tout de suite, toi. Non, pas de problème. Un conseil que je donne à ceux qui sont là, et ça concernera les autres qui sont à venir, les questions, je ne les répéterai plus. Ouais, c'est sérieux maintenant. D'accord. Ouais. Alors si t'as pas compris, ben tant pis pour toi. Ah ouais? Ok. Attention, tu deviens professionnel, Gérard. Moi, je vais pas m'amuser à répéter les questions. Bon, on va pas s'amuser à perdre du temps à répéter sans arrêt les questions parce que vous avez pas compris ce que ça voulait dire. D'accord. Ok, très bien. Bah, je donne mon joker pour celle-là. Eh ben, tant pis pour toi. Gros péage. Moi, je dirais l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire? Juste après Dien Bien Phu et avant le Vietnam, quoi. L'entre-deux-guerres. Il faut une date, hein, c'est tout. Bon, allez, en gros, on va compter, disons, 1900, dans les années 60 à peu près, hein, grosso modo. Non, pas avant. Bah, je dirais un peu avant, moi, quand même. Bah, quelle date? Je sais pas, je dirais au moins 15 de moins.
15 ans, au moins 15 mois. Il n'y avait pas de voiture en 1935. Les chars, c'est pareil. Ah non, mais c'est pas du tout pareil. Hein. Ouais, c'est pareil, c'est du pareil au même. Il faut bah alors, c'est l'autoroute pour vélo au début. Bon, Pouce System, là, t'as quand même compris la question. Pouce System. Ouais, mais non, mais tant que t'arriveras pas à prononcer mon nom, il n'y aura pas moyen, Gérard. Bon, alors dans ces cas-là, tu vas pas répondre aux questions. Bah, moi, c'est Gérard, voilà. Mais si, mais attends, mais oh. Alors tu te calmes. Voilà, il est stagiaire, il fait tu te calmes, c'est tout, d'accord. Pas de problème. Tu t'as payé en plus. Bon. Ok. Alors seconde question, donc comme tu veux pas répondre, j'espère que tu vas bien écouter celles qui viennent, parce que je vais pas m'amuser à les répéter, t'as compris. Pas de problème, pas de problème. Bon. Peut-on payer. Et toi Gérard, excusez-moi, j'ai pas voulu mon micro. Bah ça y est. Et toi t'as répondu, t'as pas dit. Bah c'est moi, j'ai dit. Attends, t'as dit en gros. T'as dit qu'on fait des fouilles et tout, donc. En gros, dis 60. En 1960 que ça a été construit à peu près. Le hein, tout premier, le tout premier. Par qui j'en sais rien, hein, par qui. Attends, on sait pas qui c'est qui. C'est pas un inventeur qui a inventé une autoroute, hein. C'est pas qui, c'est quoi, là? Un inventeur. Un inventeur. Un inventeur. Pas un inventaire, je vais te faire un inventaire que c'est le coin du museau, toi. Mm-hmm. On dit une autoroute ou une autoroute? Une. Celui qui s'amuse avec Jean-Vi de Calabre, vous commencez pas à me casser les cacahuètes avec. Oui, ça ressemble à une fille, hein. C'est une voix de fille, Gérard. Ouais, ben, t'inquiète pas, je te demande pas quelle heure il est. C'est une truie, mais c'est une fille, en tout cas. Je te signale que toi, la truie, elle t'emmerde, ok? Alors, ça commence à bien faire. Rigo, t'as quelque chose à me dire, non? Oui, ça va. non, pas trop. Et, donc, il y a beaucoup de gens sur l'IRC ce soir. Ça commence à fort. Je te jure, c'est vrai. C'est faux. C'est en révision. On est déjà 5067. Oh, dis donc. Voilà. C'est pas une fréquence, ça. Et donc, non, pas ce soir. Et, c'est le numéro du bac où ils peuvent trouver les CD à la FNAC. Voilà. Le 6 juin, son cahier dans les bacs. Il y a une question de Snooze qui voulait savoir. Est-ce que les animaux qu'on trouve sur les autoroutes sont ceux qui n'ont pas payé leur péage? Alors ça, les animaux qu'on trouve sur le bord des autoroutes, comme excusez-moi, les animaux qu'on trouve morts, abandonnés. Ah, il a pas précisé. Ah. Non, mais de toute manière, normalement, ce qu'il faut dire, c'est que à l'heure actuelle, ben là, ça va être la période. Tous les ans, c'est comme ça. Donc il y aura beaucoup encore d'animaux qui seront abandonnés sur les aires de repos comme à chaque fois. Et donc moi, je trouve ça que c'est dégueulasse. Voilà, ça peut lui convenir cette question. Alors non, parce que t'as pas vraiment répondu. Il voulait savoir si on les retrouvait là parce qu'ils avaient pas payé leur péage. Mais non, c'est pas qu'on les retrouve pas là parce qu'ils ont pas payé leur péage, c'est qu'ils ont été abandonnés, c'est tout. Mm-hmm. Donc je vois pas le rapport avec les péages là. Mm-hmm. Ça n'a pas du tout le rapport, son truc. Moi, par contre, j'ai une question, j'espère que tu la poses pas plus tard. C'est, par exemple, quand tu arrives au péage pour payer, et que dans ta voiture, les passagers, t'as un chien. Je la pose plus tard, celle-là. Ouais. Et t'as un chien ou un truc qui prend de la place, tu vois, à côté de toi. Un gros truc. Je voulais savoir si c'était payé en plus cher. Ben non, tu payes le prix de l'autoroute, tu payes pas le prix de la personne. J'avais une question aussi, pourquoi tu payes plus cher quand t'as un poids lourd? Ben ça c'est des... C'est plus lourd, hein. Non, c'est pas ça, c'est que faut dire, c'est vrai que la question... Elle est pas con, hein. On va quand même en parler. Attends, je me casse pas le cul, j'en suis des questions. Vrai que pour les VL, c'est moins cher, donc on a toujours pas compris pourquoi... C'est quoi des VL? Les voitures. Ah d'accord. Donc on comprend pas comment que ça se fait que pour les voitures, c'est moins cher que pour les poids lourds. C'est ça qu'on n'a jamais compris, même quand je prenais l'autoroute, que ça soit en voiture ou en poids lourd, je payais le même prix. Je payais moins cher en voiture. Plus cher en camion. Ça, donc, bah, les camions, ça prend de la place et ça pue quand même. Ouais, mais d'accord, mais je trouve ça quand même assez dégueulasse. Si c'est normal. Si la route, regarde, un camion, c'est lourd, donc ça use la route. Bah tiens, Benoît G. Benoît. Ouais. Donc tu peux nous dire à peu près le prix que c'est pour une voiture et un camion? Bah, ça dépend où tu vas. Non mais c'est mieux que moi. Mais nous on s'arrange bien parce que quand c'est des routiers, on s'arrange bien pour les faire payer un maximum. On les fait casquer les routiers. Ah c'est bien ça. T'es vraiment un enfoiré toi avec eux, hein. Non mais c'est bien parce que comme ils passent souvent en fait, ça fait rentrer plein d'argent. Ouais. Et quand vous mettez pas de quand vous lâchez pas les pots d'échappement dans la gueule en partant aussi, ça vous fait du bien, hein. Okay. Hein, Benoît? C'est une blague, ça? Ah ouais. Non, t'es tout raide, laisse tomber. Peut-on payer le péage par carte bancaire, chèque ou autre? On va demander à gros péage. Moi, je déconseille, franchement. Moi, je dis, dans la vie, il n'y a que le cash. Alors, de quoi? Le cash. Faut que ça cogne, faut que tu l'entendes, et il faut du cash, c'est tout, quoi. Jean-Pierre Calage.
Qu'est-ce qu'il est en train de me... T'es sûr d'avoir compris la question, là? Bah oui, tu me demandes si je peux payer en chèque ou carte bleue. Moi, je t'ai dit non, je veux du cash. C'est-à-dire? C'est-à-dire de la caillasse, de la maille, des billets, des pièces. Bah ouais, mais si t'as pas tout ça sur toi? Eh ben, je prends pas l'autoroute, je prends la nationale, du con. Du con, alors, du con. Hey, gros péage, tu sais ce qu'il dit, le con? Mais ça m'a échappé, ça. Le con, il dit au revoir. Non, moi, je suis d'accord avec Gérard, hein, puis dégage et tout. Terminé, allez, gros péage, au revoir. Il a dit du bon. Non, il a dit du con, terminé, gros péage, au revoir. Et avec le ticket resto, ça marche? Non, c'est interdit. Ok, Noémie. question con, alors vraiment. Hein. Gérard, ça fait combien de temps que t'as pas pris l'autoroute? Parce que moi je paye avec une carte bleue. Il y a beaucoup de gens qui posent la question sur le ouais. Bon, toi, Adis, si ça te plaît pas tout à l'heure, tu vas faire comme gros PH, tu vas aller voir au standard si j'y suis aussi, toi. Non, mais c'est vrai, c'est évident, enfin, je sais pas. Ouais, non, mais attends, dans ces cas-là, d'accord, tu payes par carte bleue. Ouais. Ok. Ouais. Bon, par chèque, c'est aussi accepté. Ah non. Non, il va pas, il a le temps de le remplir tout ça. Bah ouais, ouais, non mais attends, machine, il paraît que t'as le droit que t'as été autorisé à rester que 20 secondes à la barrière. Ouais, ouais. Au bout de 20 secondes, il pique ta caisse. Il t'arrête, ouais. Ta voiture est autodétruite. Ouais. Non, il pique quand même pas. Non, n'exagère pas. Attends, Gérard, tu travailles dans un péage, je confirme, hein, c'est vrai. Ouais. Il a raison, Fida. Bah moi, j'ai passé des péages et je vais te dire une chose. Ça fait 20 ans, Gérard, ça fait 20 ans que t'es plus routier. Fildar, il connaît, il prend la voiture et tout, il connaît. Non, ça fait pas 20 ans que je suis plus routier, mon pote. Arrête de dire. Il l'a jamais été, hein, rassurez-vous. Ouais, après, donc j'ai un kangou à tout péter. Manu. Donc à la place de gros péage, on va accueillir Lionel, André, Didier, Alain, Sylvain, c'est son prénom, ça. C'est quoi ton... Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Lionel, André, Alain, Sylvain, mais tu peux m'appeler Ladas. Hein. D'accord. T'appelles d'où? Alors, j'appelle de Bordeaux, j'ai 27 ans, et nous t'écouterons sur 117.5. Ouais, okay. tu es où? Tu es avec plusieurs amis? Oui, enfin nous t'écoutons sur l'agglomération de Bordeaux, je généralisais. Ah, tu vois, non, je suis tout seul, il y a personne derrière moi. En association. Poussistam, mais franchement, ce soir, ça va pas, Gérard. Bon, tu réponds à la question. Très bien, moi, je paye tout par carte bleue, donc voilà, quoi. Mm-hmm. J'ai pas trop envie de me prendre la gueule avec ta question là. On t'entend bien. Bon alors, poussissant, ça peut devoir, au revoir. Allez, terminé pour toi. Hop. Celui-là, il nous emmerdera plus. Il dégage. Gérard. À 10. Ah. Ben ça y est, je t'ai dit. Benoît Agier, pareil, tu m'as répondu toi aussi. Non, je t'ai pas répondu. Non, parce que t'as répondu à la question à Fildar en même temps, donc c'est pour ça. Ouais. Non, mais j'ai pas répondu. Donc, en fait, moi je paye pas parce que je travaille dans un péage, je suis pas con, je vais pas payer quand même. Non, mais d'accord, mais les gens qui viennent, est-ce qu'ils payent, est-ce que vous acceptez les cartes bancaires, les chèques ou pas? C'est ça. Les chèques, d'après ce que Fildar me dit, non, mais donc les cartes bleues, tout ça, oui. Non, mais on s'arrange, ça dépend, on s'arrange. Par exemple, les gens, en général, je les fais pas payer trop cher quand c'est des routiers, par contre... C'est les taxes. Ils me vendent bien, je les taxe bien, les routiers. Mais de toute manière, tu peux pas les taxer, parce que de toute manière, le ticket qu'ils prennent est déjà... Tu carottes la monnaie. Et tu peux pas, parce que ils ont des cartes spéciales des autoroutes, alors tu peux pas... C'est quand même des petits vicars, ils essaient toujours de payer en nature. Mais il n'y a pas moyen. Non mais ça, t'es pas un peu, t'as pas fumé la moquette toi avant d'appeler là au standard? Non, j'ai pas fumé la moquette, j'ai pas fumé de routier non plus. Ouais ben je crois que si, hein. Lionel, il est dans la guérite là, Benoît. Hein, Manu, il est dans sa guérite. Ouais, ouais. T'es en repos là parce que tu bosses pas beaucoup là. Il fait froid, mets le radiateur s'il te plaît. T'as du monde derrière. Ouais, il y a du monde derrière en plus. C'est... Je sens. À mon avis, c'est un relais de routier. Ouais. Un truc. Ouais. C'est des esprits très catholiques. Il y a Benoît, mon collègue, c'est tout. Benoît, ça, tu te calmes, s'il te plaît. Ouais, Manu. Qu'est-ce que c'est, toi, quand tu bossais dans avec Benoît, tu t'écrases, s'il te plaît. Ça serait chaud pour un routier, ouais, je comprends. Manu. Ça va chauffer le pot. On va accueillir Monsieur Mazur à la tête professionnel. Ah, Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir. Monsieur Mazur. Bonsoir, mes amis. Bonsoir, Monsieur Gérard. Comment bonsoir. Allez-vous? Ça va. Écoutez, je suis ravi de ce débat sur les autoroutes qui a l'air d'être des plus chatoyants. Mm-hmm. Lionel. Ouais, la DAS, ouais, donc, écoute, moi, je pense que la carte bleue, c'est plus sûr parce que je soupçonne les gars dans les guérites, là, de taxer de la monnaie.
et de magouiller quand on leur donne du liquide. Bah ça, de toute manière, c'est vrai que le liquide... Ah, c'est vrai, ça. Mais je l'ai tout seul. Hein. Par exemple, Benoît, moi, je suis sûr qu'il magouille un peu, j'en suis sûr. Non, mais je pense pas, parce qu'avec le ticket... Ça reste entre nous, ça reste entre nous. Mais ouais. avec le ticket, de toute manière, tu peux pas magouiller comme tu veux. Hein. Mais si, en général, il y a des gens dans les camions, ils sont un peu plus cons que les autres, et eux, ils payent. Bon, allez, Benoît, terminé pour toi. Terminé pour Benoît. Non, terminé. Terminé pour toi. T'inquiète pas. Rigo, oui. Sur l'IRC, ça monte encore. On est 6033. Mm-hmm. Donc ça arrête pas. C'est très chaud ce soir. Il y a que de la question de la balle. Ben, donc, t'as de la chance. Donc, il y a une question de Yankee Zébulon qui est pas mauvaise. Si on paye plus cher au péage, est-ce qu'on peut rouler plus vite? Ben non. T'as pas besoin. Si tu payes plus cher au péage, tu peux pas rouler plus vite quand même. Ça, c'est intéressant. Et pourquoi? Ben non, ça sert à rien. Hein. C'est pas parce que tu vas payer plus cher de péage que tu vas rouler plus vite derrière. Hein. Au contraire, c'est pas en payant plus cher que tu peux rouler plus vite. Mm-hmm. C'est de là qu'en roulant plus vite que tu cartonnes. Hein. C'est des pots de vin. Ouais, mais tu payes plus cher. C'est des pots de vin, donc. Ouais, non, mais même tu peux pas payer plus cher un péage parce que de toute manière déjà avec le ticket. Quand ils passent dans la machine pour payer, ils savent déjà le trajet que t'as fait. Ouais, c'est magique. Donc, mais s'ils se font flasher en allant trop vite, plutôt que de payer une amende, ils payent un pot de vin. Bah, de toute manière, s'ils sont flashés parce qu'ils ont été trop vite, de toute manière, ils sont déjà au péage. Mm-hmm. Et justement, on va en parler aussi. C'est des pots de vin. Donc, ils payent plus cher pour aller plus vite. Non? Dans un sens, si tu veux, oui. Toi, t'as payé des pots de vin, mais t'as laissé les pots, t'as pris le vin. Non, moi, je crois que Gérard, il boit directement à la bouteille. Bon, toi, tu te calmes, hein, parce que sinon, tu as dégagé vite fait, toi. Monsieur Mazur, donc, à votre tour. N'est-ce pas, c'était sur la carte bleue, c'est cela? Voilà. D'accord. Bien, écoutez, bien entendu qu'on peut payer. Carte bleue. Ah oui, tout à fait. Mais la question, c'était payer quoi exactement? Parce qu'on peut faire plein d'achats en carte bleue. Peut-on payer les péages par carte bancaire? Absolument. Cependant, j'ai une question à vous poser, monsieur Gérard. Comme vous semblez être une fusée dans le domaine, je voudrais savoir, là, récemment, avec la grève des convoyeurs, merci, le montant minimum autorisé était-il de combien dans les péages, monsieur Gérard? Voilà, j'en ai aucune idée, parce que de toute manière, les péages, c'est ceux qui passaient qui payaient, donc je vois bien pas. Bien entendu. Mais cependant, est-ce que, puisqu'il n'y avait pas d'argent nulle part et qu'on pouvait payer par carte bleue une somme tout à fait minimale, qu'en était-il, mettons, par exemple, des convoyeurs grévistes qui rentraient chez eux? Comment faisaient-ils pour payer, vu qu'ils n'avaient pas d'argent, puisqu'ils faisaient grève? Ça, ils avaient les cartes bleues, hein. Et attends, un fourgon blindé, ça paye au péage si ça prend l'autoroute ou Ah là est toute la question. Ça, en principe, oui. Hein. Et les flics, ils payent les ambulances? Non, les flics, non, parce qu'ils ont des autorités. Les pompiers. Les pompiers, je crois pas. Non, parce qu'ils ont. Les DF. Non, les pompiers, ils ont des. Les DF, tu crois qu'ils payent ou pas? Ils ont des gyrophares. Hein. Les pompiers. Moi, je pense que les égoutiers, ils devraient pas payer. C'est dégueulasse. Et à votre avis, excusez-moi, et les livreurs en motocyclette, paye-t-il le péage, monsieur? Mais justement, on va. Quand t'as les mecs de la DDE avec un camion, eux, ils sont obligés de passer, tu vois. Ils arrivent à pas. C'est ils comme ont. Le service oh des tu vois, ils mais vous me laissez répondre ou quoi, là? Les mecs qui travaillent. Bon, vas-y, tu t'écrases. Existe-t-il des qui livrent des pizzas? Oh, mais ça y est, ouais! C'est pas la question des pizzas, là, monsieur Mazur! On va pas s'éterniser sur des questions cons, là! Ah, vous avez raison, Manu, je voulais accueillir un nouvel auditeur, on accueille Grill Courte Pipe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Grill. Bonsoir, Gérard. Salut, bonsoir Grille. À toute l'équipe. Bonsoir, Rigo. Bonsoir, Manu. Bonsoir, Fonda. Bonsoir aux auditeurs. Bonsoir, monsieur Courte Pipe. Bonsoir. Et t'appelles-vous? J'appelle de Calinette sur Sodo. Bonsoir, tout Calinette. Ça existe, j'ai cherché. C'est dans l'Est, ça. C'est sympa comme région. Tout à fait. Tu te fous de ma gueule ou quoi, là, où tu prends le train? Non, pas du tout, Calinette sur Sodo, c'est une très belle ville. Hein. C'est dans le Lyon maritime. Bon, alors, troisième question. Avant que tu poses ta question, j'ai une très bonne question de... Fildar, s'il te plaît, t'arrêtes avec ça. Mais c'est pas moi. Je pense qu'il y a l'auditeur. Mais, donc, une question, très bonne question de Snooze qui te demande où finit l'autoroute? Prenez Jean de la Graine sur IRC, ça c'était une bonne question. Tu prends l'autoroute à un endroit et tu peux ressortir quand tu veux de l'autoroute. Hein. Il n'y a pas de pain. Il y a des enfants qui disent que ça se termine dans les sauts là, avec les louis d'or. Mais je trouve que les enfants sont débiles. Qui c'est qui parle comme ça là? Courte Pipe. Oui, oui.
C'est toi? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas toi qui viens de parler comme ça. Je viens pas de reconnaître ta voix, à peine. Non, c'était pas lui. Non, presque pas. T'as pas compris ce qu'il a dit alors. Donc voilà ce que je pouvais dire. Oui, Gérard. Oui. Juste avant, il y a un compositeur très célèbre qui a fait une chanson justement en plus sur ce débat. Et je sais pas. Voilà, elle est au courant à 10. C'est Didier Barbelivien avec sa femme. Bonsoir Anaïs. Quitter l'autoroute. C'était une belle chanson, ça. Mmh. Hein. Donc, seriez-vous prêts? Bravo! Bravo, la caméra! Tu te la calmes? Non. Bon, Adis, au revoir! Allez, dégage. Allez, hop! Au revoir, Adis! Alors, troisième question. Seriez-vous prêts à habiter près d'une autoroute? On va demander à la courte pipe. Ah, moi, je dirais qu'à... Pardon, il y avait une fille. Moi, je dirais qu'à côté d'une autoroute, non, parce que je suis très très fragile au niveau des tympans. Et, des tympans. Ok, pas de problème, des tympans, donc. Et puis voilà, puis ça me stresse un petit peu le bruit. Parce alors, que dans ces cas-là, si tu veux pas habiter près de d'une autoroute, dans ces cas-là, tu veux pas habiter non plus à côté d'un aéroport. Ah non, ni aéroport, ni autoroute, ni que ce soit les abattoirs de Rungis, tout ça, pour moi, c'est exclu. Hein. Ah bah, de toute manière, t'as pas le choix. Hein. Ah non, mais moi, ça va. Monsieur Mazur. Dans un pavillon, tout ce qui est plus luxueux, à calinette sur saute. Bourgeois. Monsieur Mazur. Bah, écoutez, comme la plupart du temps, n'est-ce pas, les autoroutes se situent près d'aéroports ou bien encore de gares ou d'arrêt de bus, il est complètement... N'importe quoi. Pardon, bah, si. Non, il n'y a aucune autoroute qui se situe à côté d'un... Écoutez, monsieur Gérard, prenez l'autoroute numéro 6, n'est-ce pas, celle qui mène très loin. À Lyon, ouais. Vous constaterez que c'est... Allô? Ouais, bah, ouais, j'écoute. Vous constaterez bien entendu que c'est une autoroute qui passe par l'aéroport d'Orly, n'est-ce pas? Oui. Qui passe pas par l'aéroport. Absolument, monsieur. Ça dépend. Vous n'avez jamais pris l'avion, vous ne savez pas. Non, presque pas. J'étais à New York, j'ai jamais pris l'avion. Oui, New York. Alors pourquoi que l'autoroute? L'autoroute 1 passe où? Bourrico, écoutez. Avec le blob. J'ai arrêté de faire vous-même le bourrico et l'autoroute 1, alors elle passe pas du côté de Roissy aussi? Bah alors. L'autoroute passe à côté d'aéroport. Eh ben non, des arrêts de bus comme vous venez de le dire. Mais bien entendu, écoutez, vous avez bien des liaisons, n'est-ce pas, des abris de bus avec des autocars qui partent de ces arrêts-là pour vous mener à destination, écoutez. Oui, il a peut-être raison, Gérard. Le Roissy bus, Non, mais attends, le Roissy bus, comme tu dis, c'est des lignes directes. Il n'y a pas d'arrêt. Il dit non, mais il les connaît toutes en plus. Il n'y a pas d'arrêt, ça fait comme l'écart de Roissy, là, ceux de Air France. Donc c'est pareil. Et il y a même des bus qui vont jusqu'à Meudon, à Orly, et ils passent par les autoroutes, mais ils n'ont pas d'arrêt, c'est faux, il n'y a pas. Absolument, vous avez tout un tas d'usagers, n'est-ce pas, qui habitent justement à Orly. Il n'y a pas. Ces gares SNCF, RER ou bien ces aéroports. Il n'y a pas d'arrêt de bus sur les autoroutes, c'est faux. Non. Monsieur Gérard. Non, mais je vous dis. Monsieur Gérard. Je vous dis que non. Avez-vous dû prendre le RER? Je vous assure qu'il y a des abris bus. Tout le monde. Mais moi, je vous dis que non, c'est faux. C'est tout. On va pas s'éterniser sur cette question. Lionel. Ouais, la DAS. Bah écoute, moi, j'habite en fait à côté d'une autoroute parce que je trouve que c'est pratique. Parce que quand t'es un usager au quotidien de l'autoroute, et ben plus t'en es prêt, plus tu peux te rendre à ton lieu de travail rapidement. Donc j'ai allié l'utile à l'agréable, donc j'habite juste à côté d'une autoroute. Lionel, par contre, tu vas éviter de trop dire la DAS, s'il te plaît, parce que... C'est mon complet, Lionel André Didier Alain Sylvain, ça fait... Peut-être tes potes, ils t'appelleront comme ça, mais moi, ça sera Lionel... Lionel. Respect. Comme Christianisme, c'est 2000 ans de passé qui prennent... Lionel, s'il te plaît, tu te calmes. Oui, moi, je préfère t'appeler Lionel comme ça, et c'est tout. Tu arrêtes de dire la DAS, d'accord? Moi, je dis Lionel, je m'appelle... C'est tout, terminé. Ok. Non, pas du tout. Bon, si t'es pas d'accord, tu retournes au standard. On va voir ça, on va gérer. Hein? Au fur et à mesure des questions. Ouais, tu vas voir que tu vas pas t'éterniser comme ça avec moi. Manu, ouais. Oui, je voulais dire qu'on accueillait Pousseline le routier. T'as une façon de penser qui est assez bizarre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pousseline le routier. Avec de Lyon. Donc, les routiers. Oui, bonjour. Bonjour, Gérard. Bonsoir. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir, t'appelles d'où? De Lyon. Donc, fréquence? 102.7.
Okay. Ah, il y en a deux, il y a 93.3 aussi. Hein. Ouais, aussi, ouais. Lyon Sud. Voilà. Mais moi, je préfère le autre. D'accord. Ok, bon, donc. Attends, je vous pose une question. Je voulais qu'on fasse un petit sondage. Mais non, mais après le sondage. Après le sondage. Non, j'avais juste une petite information sur Internet. Sachez que le guide des aires de repos où retrouver la jouisseuse mystère est disponible sur radiogérard.fr.fm. Cool. C'est bien, tant mieux. C'est qui s'amuse à dire ça? C'est pour un PD, quoi. Carfora, c'est bonsoir. Ils sont deux. Ouais, il y en a l'autre qui est cool. C'est qui l'autre? Ah, le jaloux. Je sais pas, demande à Pousseline. Tu voulais rajouter quelque chose, Noémie? Je vois que ton micro est allumé, donc. Ah oui, non, j'ai pas fait attention. Ouais, parce que si t'as un à rajouter, tu l'éteins. Ouais. Voilà. Ok, t'es pas, t'es pas chez toi ici. Hein. Bon, avez-vous déjà pris l'autoroute? On va faire un sondage avant une petite pause, ouais, je pense. Donc, avez-vous déjà pris l'autoroute? 48% des gens répondent oui, c'est bien probable. Probable. Ah ouais, d'accord. Bah, maintenant, ils oublient de mettre les ailes. Bah, probable de quoi aussi? Bah, probable de quoi? J'en sais rien. Hein. Bah, pas la suite. Je te demande, tête de nœud. Tête de nœud, c'est bien probable. Moi, j'ai pas la suite. On n'a pas la suite, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tête d'andouille. Bah, improvise. Tête d'andouille. Bah, c'est vrai qu'à trois, ils mangent les andouilles. Alors, c'est pour ça qu'ils. Bah, j'aimerais bien bouffer ta grosse andouille, c'est clair. Ouais, bah, alors là, tu surtout qu'elle doit être bien baveuse et bien périmée. C'est ça, t'as raison. Alors, on va bien te parler de ça. 27% répondent que c'est un problème. En Yougoslavie, car il n'y en a plus, bon ça c'est vrai, donc on s'en fout un peu. Il n'y a plus d'autoroute en Yougoslavie, c'est vrai. 17% des gens... Excusez-moi, pourquoi il n'y a plus d'autoroute en Yougoslavie? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Bon, on va pas s'éterniser sur ça, parce que ça, c'est pas intéressant, ça n'intéresse pas les gens. 17% des gens ont porté plainte contre l'autoroute du soleil, car il faisait trop chaud, bon ça, c'est vraiment des trucs cons. Sur Internet. L'autre, laisse tomber... C'est quoi l'autre? Non, on le dit brièvement, on s'éternise pas, c'est quoi? Non, 9% sont plus intéressés par les Philippines, donc ça sert à rien de dire des conneries comme ça. Pourquoi il y a quoi là-bas? Pas les Philippines. Non, mais ça y est, c'est bon. On a... Alors, deuxième sondage. Ah, quels sont les avantages d'une autoroute? Alors, 45% des gens répondent qu'il est facile de trouver des grosses sans domicile, n'importe quoi. Ça, c'est bien tes conneries. Mais c'est pas moi, c'est Rigo, Pierre. Non, c'est Internet. 31% des gens qu'il faut faire attention sur les passages cloutés d'autoroute pour traverser, alors que sur les autoroutes, il n'y a pas de passage clouté déjà. Sur certains. Sur aucune autoroute, Si tu sais, quand t'as les relais là où il y a la passerelle en fait qui est au-dessus de l'autoroute, et alors, c'est pour aller d'un côté à un autre, c'est de là où il y a des gens qui balancent des pavés sur les routes. En bas de ça, t'as les passages cloutés. Ouais, mais tu traverses pas l'autoroute, c'est tout. Non, moi je te dis que non. 20% des gens pensent que les autoroutes sont plus agréable pour voler des voitures. Bah ça c'est le cas assez souvent. C'est vrai. Ça s'est calmé, mais je pense que ça va sûrement redevenir bientôt cette histoire. Ah ouais, merde. Qu'est-ce qui se passe? On parle d'éviter les radars, mais on va en parler. Bon, c'est pas grave. Ouais, 12% pensent que c'est une façon d'éviter les radars. Bah oui, ça c'est vrai, parce que les radars, tu peux pas les voir. Surtout sur l'autoroute A6, ils sont bien planqués. Bah, surtout quand il y a 40, peut-être aider les routiers. Ils sont bien planqués. Ils sont à la limite de l'aire de repos de Beaune là, et ils sont bien. Ils sont bien là. Hein. Il y en a deux ou trois sous le tunnel de la Fourvière aussi, pareil. Non, sous le tunnel, ils en mettent. Sous le tunnel de Fourvière, il y en a. Il y en a deux, trois dans ton tunnel, excuse-moi. Ouais. N'importe quoi. Et puis là, ils vont tous à fond. Hein. Ça, c'est pas la Fourvière, c'est la Fourmilière, excuse-moi. Quatrième question, on va faire une pause et puis vous allez. Il y a combien de questions sans indiscrétion? Je peux te poser la question sans indiscrétion. 10. Combien 10? 10 questions, à raison de 4 questions par demi-heure. Si on fait 2-3 calculs, je vais sortir ma calculette. Vas-y. À 1h30, c'est fini. Non, c'est bon. Non, c'est cool. C'est ça, non? Ah non, on n'a pas. Ah oui, attends, un petit son de caille, là. Toutes les 10 minutes, comme tout à l'heure. Avec à quelle vitesse peut-on... Alors attention, Gérard pose la quatrième question, réfléchissez, n'oubliez pas. À quelle vitesse peut-on rouler sur autoroute par temps de pluie? On se retrouve tout de suite après. Ah, c'est minable. Vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000. Donc on va s'écouter Jean Jouy avec les dodus du péage de l'Alma. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite des débats. Et voilà, vous venez d'écouter Jean Jouy avec le dodu du péage de l'ANA. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000. Vous êtes toujours sur Fun Radio. Il est 0h36 et c'est toujours la suite des débats. On a toujours Manu au standard. Ouais. Noémie qui est en train de dormir, je sais pas pourquoi. Rigo à l'internet. Et puis, ouais, toujours.
Donc là, et puis on. Et moi je fais du bec. Et puis fil d'art à l'arrière. Je te jure. Et en plus profite-en, c'est mon dernier débat parce qu'après je suis sur France Inter. Bon, attends, mais ça me ferait bien. Tu remplaces Ricky? Ouais. Bah avec Rigaud, tous les jours. Pour ça, on va récupérer Lionel. Ah, c'est moi. Ouais, bonsoir. Rebonsoir, monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur. Courte pipe. Rebonsoir. Courte pipe, c'est fort. J'ai trouvé ça tout à l'heure. Et Pousseline. Pousseline de Lyon, la routière. Ok. Je voulais juste dire aux auditeurs d'acheter son caille parce que ça va nous changer un peu de bougal. C'est clair. Bah, ça sort le 6 juin. Breakdown, Bagdaboom, là, tout ça. Là. Ça, c'est très bien, ça. Ah non, j'aime pas, en France. Non, mais moi, je trouve ça bien. Je tenais à le dire, là. Bah, oh, donc, à quelle vitesse peut-on rouler sur autoroute par temps de pluie? On va demander ça à Lionel. Ça dépend. Comme question. Ça dépend du véhicule, moi, je dis déjà. Mmh. Ça dépend de comment ton véhicule, il est chaussé. Ouais. Parce que si t'as des pneus de vélo de course, ça va pas le faire. Alors que si t'as des gros boudins de tracteur, bah tu peux appuyer un peu plus quand même. D'accord. Je pense que toi t'es plutôt dans le genre gros boudin, donc je pense que toi tu peux appuyer un peu plus. J'ai l'impression qu'il y a illusion là. Lionel, un petit conseil, ça fait déjà troisième fois que tu me fais chier comme ça. Il parle de Sandy. Donc tu sais ce que je vais te dire, Lionel? Lionel, je te dis au revoir, merci, au revoir, au revoir. Et monsieur Mazur. Oui, écoutez, moi je dirais plutôt que ça dépend de la pluie, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire l'intensité de la pluie, il est clair que vous ne roulez pas à la même vitesse lorsque c'est un petit crachin plutôt qu'une grosse averse, n'est-ce pas? D'accord. Courte pipe. Vous en foutez, monsieur Gérard? Non, pas du tout. Courte bon, écoutez, pipe. Vous dites d'accord comme ça. Courte pipe. Ouais, bah, pas plus de 70, j'ai une Twingo. Hein? Pas plus de 70, j'ai une Twingo. D'accord. Après, c'est, le prochain pas coup, de marque, hein. Tu donneras encore, tu pourras dire ta marque après si tu veux, ok? Non, non, mais excusez-moi. D'accord, Pousseline. Ouais, bah moi, j'ai une petite caisse, mais bon, ça dépend le nombre de personnes qui est avec moi. Si j'ai deux caisses à l'eau et un vieux gars à l'avant, c'est chaud, quoi. Mmh. Alors, je peux vous dire une chose que j'aurais moins vite, c'est sûr. Manu, oui. Non, non, mais vas-y, si on a une autre vidéo. Ouais, je voulais accueillir Ligne Blanche. Ah, c'est chaud. Salut. Ligne Blanche, t'appelles d'où? Salut Gérard. Salut. Salut à tout le monde. Salut. T'appelles d'où? Oui, bonsoir, madame Ligne Blanche. Salut Bordeaux. Donc, 117.5. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Excuse-moi. T'as une explication là-dessus? Bon, alors, tu réponds à la question? Ouais, bah, c'est à combien tu roules? Voilà. Bah, t'as une explication là-dessus? Hein? T'as une explication là-dessus? Bah, sur quoi? Bon, tu réponds à la question, tu te. Moi, je dis, tu vois, tu roules à 180, si tu veux t'éclater la gueule, mais bon, voilà. Mais t'es où, là? Bon, alors, bon, Ligne Blanche. Ouais. Mais t'es où, là? Je crois qu'il y a. Oh, Fildar, s'il te plaît, t'arrêtes avec ça, ça commence à me gonfler, là. Chez moi, attends. Bon, Ligne Blanche, t'arrêtes un petit peu tes conneries, ou sinon tu dégages. Bon, les Lignes Blanches, au revoir. Ah, allez, vraiment que tu fasses quelque chose. Manu, au revoir à Ligne Blanche. Faut vraiment que tu fasses quelque chose. Bon, Fildar, t'arrêtes avec ça, c'est pas moi. Arrêtes. C'est pour tenir le coup. Ouais, bah, tu arrêtes. Alors donc, déjà, par temps de pluie, c'est limité. Donc, c'est limité à 110 au lieu de 130. Voilà. Mais pourquoi, justement? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Parce que par temps de pluie, t'as pas le droit de rouler plus vite. Mais pourquoi? Parce que c'est plus dangereux ou pas? C'est plus dangereux. C'est tout, parce que t'as par temps de pluie, t'as pas le temps de contrôler ta voiture. C'est et quand tout. Il neige? Bah, c'est pareil. Okay. Mais de toute manière, quand il neige, je peux dire une chose. Des après, hein. Non, mais toutes les intempéries. Déjà, on peut signaler que quand il pleut et qu'il gèle, ça fait du verglas. Mais ta connerie. Non, mais on peut le signaler. C'est vrai. Mais ta connerie. Sur le tour. Le verglas. Bon, ça y est, quand même, Gérard. Bon, ça y est, ça suffit, toi, courte pipe, là. Tu veux de l'aide? Non, mais je pense que c'est pas des choses avec lesquelles on peut rigoler, tu vois, tout ça. Il y a des gens qui ont des vestiges sur des plaques de verglas. On se retrouve avec des plaques, justement. Et pourquoi, Gérard, donc c'est plus dangereux sous la pluie? Parce que. Bah, de toute manière, si les gens ont peur, ils roulent moins vite. Donc, pour ceux qui veulent rouler plus vite, c'est. Mais moins dangereux parce qu'il y en a moins qui roulent vite. Mais de toute manière, les routiers, c'est limité à 60, 80, 90 maintenant. Il n'y a pas que les routiers. Ils ont trois trucs de vitesse qui sont derrière les camions. Mais les camions, de toute manière, c'est vrai que quand tu doubles un camion, t'en prends plein la gueule, ça, je peux te le dire. Ah oui, c'est au niveau de la visibilité. La visibilité. Ok. Donc c'est limité à 110. Et bon, c'est vrai que t'as moins de réflexes quand il pleut. Si tu roules plus vite, t'as moins de réflexes pour pouvoir freiner. Déjà celui qui est derrière, comme tu lui laisses quand même un truc comme les camions. Si tu doubles le camion, c'est pareil. Le mec qui va accélérer pour doubler le camion, il va s'en prendre plein la gueule pour pas un rond.
Hein, ouais, c'est clair. Donc voilà. Par moment, je me demande si je suis pas con. Ouais. N'importe quoi. Nous aussi, hein. Je te rassure. C'est clair. Ouais, Manu. Non, je disais, nous aussi, on se demande si t'es pas con. Ta gueule, toi. Moi, je suis un fonds de commerce. Bon, t'as un autre auditeur, non? Bah non, ils sont quatre. Non, on a qui? T'as courte pipe, t'as Monsieur Mazur, ligne blanche et. Ligne blanche, il y a dit au revoir. Ah bon? Bah oui. Il y a dit au revoir. Excusez-moi, bah au revoir, ligne blanche. On n'a pas besoin de faire les tours alors. Il y avait une question IRC, non? Y a pas grand chose de bien, malheureusement. Bon, y a un truc sur le Minitel, là, HTTP. Ouais, y a pas de Minitel. Si, ils viennent de le remettre. Y a pas de Minitel, arrête tes conneries. Ouais. Alors, cinquième question. D'après vous, les radars peuvent-ils être interdits sur autoroute? Justement, on en faisait illusion tout à l'heure. En illusion. Donc, monsieur Pousseline, je suis pas très sûr, hein. Ouais, moi aussi, je pense pas qu'ils vont pouvoir interdire les radars, c'est pas possible, ça. Et ça sert à griller les petits malins, les gros cons de routiers qui vont à plus de 180. Eh non, moi, faire quelque chose, parce que c'est impossible. Pousseline, oui. Manque de peau. Tu vois, c'est que le truc que tu viens de dire, c'est faux, parce que c'est pas les routiers qui essayent de piquer, c'est les mecs avec des bagnoles. Oui, mais les routiers, non. Qui vont vite, hein. Attends, je suis personnellement routier. Ouais. Alors, je sais de quoi je parle. Ouais. C'est un acte. Levez vite. Ouais, ben toi, parce que c'est un. Comment que t'appelles ça? C'est un truc qui est fait spécial. C'est. D'accord, super. C'est des trucs que style Calverson, tout ça, jet service. Oh, pas de marque quand même. Calverson, c'est chaud. Hein. Hein? Camion, c'est un DAF. D'accord. Ouais, t'as raison. Courte pipe. Ouais, moi je dirais que les radars, ouais, mais moi je suis pas trop d'accord avec le système qui voudrait privilégier la fonction publique au détriment des automobilistes. Parce comment ça? Que c'est de l'argent pris un petit peu sur le dos des automobilistes. Au profit de l'administration française. Oh, Julien Courbet, tu cannes? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je comprends pas du tout, là. Ouais, j'avais envie de faire une phrase sérieuse. Voilà, je l'ai faite. Bon, d'accord. Maintenant que tout le monde... Monsieur Mazur, alors. Encore. Oui, Manu. Oui, on accueille Antipatinage. Tue-moi. Allez, vas-y. Après que t'es fini d'enculer la grosse. Vas-y, Antipatinage, bonsoir. Antipatinage, bonsoir, t'appelles d'où? Bonsoir Gégé, j'appelle Denis Gleland. La terre la pute qui jouit là. Oh oui. C'est quelle fréquence ça? Je crois que t'es une prostituée à l'antenne. Tilda, tu arrêtes avec ça s'il te plaît. C'est pas... Merci. C'est un gros camion ça. T'appelles d'où Antipatinage? J'appelle Denis Gleland. Mais t'avais la fréquence. Oh, t'es bourré ou quoi là? Hérisson.fr. Bon, c'est de ton côté, c'est quelle fréquence là-bas sur 3? Y a rien de mon on côté là. On écoute radio, on écoute Radio Niglo. Bon, toi, tout à l'heure, tu as un décrochage. Putain, mais complètement taré ce mec. Gérard, j'ai une très bonne question enfin sur l'IRC de Cody qui te demande s'il y a des autoroutes intercontinentales et interplanétaires. Ah, non, pas une question de merde. Je sais pas qui c'est qui a posé cette question-là, mais. Non, je rigole. Moi, j'ai entendu, ça s'appelle les trous noirs. Ta gueule, toi. J'ai une question à poser à Rigo. Rigo, tu choisis les plus merdiques ou c'est vraiment la mieux de toutes? Ah, je te jure, c'est une des mieux. Oh putain, je crois que celui qui a posé ça, tu lui demanderas qu'il arrête un petit peu de dire des conneries parce que ça commence à... Bon, puis là, t'arrêtes avec ça s'il te plaît parce que ça me gonfle. Et pourquoi moi? Arrête de te caresser s'il te plaît. Et pourquoi moi? Bon alors, monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. La question, je l'ai posée, hein. Bah oui, écoutez, vous l'avez posée il y a un bon quart d'heure, alors s'il vous plaît. Non. La question était concernant les radars. Voilà. D'accord. Et vous vouliez savoir si... On peut, si les radars doivent être interdits sur autoroute. Bah écoutez, je vois pas comment on pourrait interdire les radars vu que c'est l'État qui s'en occupe, n'est-ce pas? C'est l'État qui flash les voitures maintenant. Absolument, bien sûr. Ça dépend de la préfecture de police, et la préfecture de police, monsieur Gérard, c'est l'État, bien sûr. Mmh. Alors que les trois quarts, c'est la gendarmerie qui les met en stand-by. Ah oui, la gendarmerie, ça n'est autre, ne dépend que du ministère de la Défense. Ce sont des militaires, n'est-ce pas? Le ministère de la Défense, c'est l'État, donc voilà. Ok, Antipatinage. Antipatinage, une fois. Freine. Ouais, je suis là. Freine. Tu réponds à la question ou quoi? T'as une idée pour ce week-end? En fait, ça serait cool, Gérard. Ça serait cool, ça serait sympa que... Bon, alors, antipatinage. Antipatinage. Tu réponds correctement à la question ou tu gerbes?
Ah, ok, je réponds correctement à ta question. Non, tu réponds. Ok, en fait, ça serait cool qu'on puisse virer les radars. Okay. C'est comme ça, on pourrait rouler comme des oufs sur l'autoroute. Mm-hmm. Ça serait vraiment génial. On pourrait doubler les routiers encore plus facilement et tout, on pourrait leur faire des... Ouais, vas-y, dis. Non. Non, mais dis ta pensée de toute manière. Non, on pourrait leur faire des bêtises en les doublant. Ben, c'est ça, t'as raison. Ouais, mais bien sûr, le jour où tu vas te faire choper par un routier, tu vas voir comment que ça va te faire, toi, mon pote. Non, je suis pas homosexuel. Non, mais tu vas voir, le jour où tu vas te faire coincer entre... Je les connais, les Lascars, Ouais. Une sonnette d'alarme, si c'est possible. Bon, toi, je crois que t'as intérêt de répondre correctement à la suite. Non, c'est juste pour faire en aparté du débat une petite réflexion. De quoi? C'est qu'en fait, il faut pas écouter Autoroute FM quand on est sur l'autoroute. Hein. Pourquoi? Parce que c'est chiant. Et alors, ça te donne les points de circulation, de savoir où c'est bouché, ça se dandouille. Il paraît qu'ils disent des trucs faux pour induire les gens dans de l'erreur. Ouais. Voilà, ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais, mais de toute manière, on sait pas pourquoi que ça est mis sur toutes les autoroutes, même sur l'autoroute là, qui va du côté de Troyes. Maintenant, c'est la Nationale 19. Putain, il est complètement taré celui-là. Je connais, j'habite à Miguelande, donc je connais. Eh, espèce d'andouille, l'autoroute A5, elle va où? Elle va à 3. Bon, bah alors? Mais t'as la Nationale 19 aussi. Mais on te parle des autoroutes, on te parle pas des nationales, espèce d'andouille. Ah, c'est pas un débat sur les nationales? Ah non. Oh là là, mais il est complètement taré ce mec de 3 là. Hein. Ah bah, c'est Manu, alors, il m'a dit n'importe quoi. Attends, c'est pas Manu qui t'a dit que c'était un débat sur les nationales, espèce d'andouille. De quoi? Dit, tu t'en fous de ce qu'il dit Gérard, moi j'ai dit que c'était un débat sur la nationale. Ah bah alors, anti-patinage, tu vas retrouver Manu au standard, on te dit au revoir. Merci, non, terminé. Manu, tu lui diras le prochain coup que c'est sur les autoroutes, pas sur les nationales. Tu comprendras pas mieux. Oui, Rigo. Alors, il y a énormément de questions, toujours aussi bien. Formidable. Question de Yankee et Zébulon qui te demande si au péage on peut bénéficier d'un tarif de groupe. En moto. Non, parce que justement on va justement. Ça dépend si on est 3 ou 4. Non, mais même les motos payent normal. Hein, un forfait en moto si t'es 12. Ah, je crois pas. Hein. Si, c'est par douzaine. Je crois que tu payes moins si t'as un casque aussi. Ouais. Ouais, mais ça, les casques, c'est obligatoire. Mais de toute manière, on va en venir sur. Je suis parti avec des pèlerins à Lourdes, hein, en Harley. C'est vrai qu'on a payé moins cher. Bon, toi, c'est qui vient de dire ça? C'est quoi? Non, mais c'est vrai. Non, mais je te fais part d'une anecdote. Hein. Ouais, non, mais on en a rien à foutre pour l'instant. Bon, je te le dis. Gérard, j'ai une très bonne question générale, à savoir comment marche un radar. Alors un radar, ça marche comment? Ça marche avec un flash. C'est tout. Non mais tu passes. Si tu passes trop vite, t'as le flash qui est pris, ça marche à pile. Non. Ils ont des systèmes maintenant qui est sophistiqué. Ça va plus être des radars qu'on verra sur les bords des autoroutes. Des flingues. Ça va être des voitures avec c'est des voitures qui seront équipées avec des radars dedans maintenant. Voilà. Il y a certains. Ça fait 4 ans que ça existe, 4-5 ans déjà ça, non? Non, ça. Si, il y avait des vieilles lumières 19 bleues avant avec des ronds noirs derrière. Ouais, mais radars. Maintenant c'est à l'intérieur de. On peut arrêter, Égal M6 2 secondes là? Et revenir au débat, tiens. Mais moi, j'ai un shop avec ma Fuego. Bon, tais-toi, toi. Et justement, il y a Starsky qui demande, est-ce qu'on peut acheter la photo après, comme à Disneyland? Non, pas du tout, parce que là, déjà, quand t'es pris en photo, tu peux... Il y en a qui disent, surtout souriez quand vous êtes pris. Pour toi, c'est bon. On s'amusait à faire chier les mecs, comme ça. Bon, qui c'est que t'as, Manu? Non, c'est pas mal, ce truc-là, là. Qui c'est qu'on a? Marcelito, bonsoir. Tu t'es déjà fait flasher, Gérard? Non. Non, parce que j'avais annoncé qu'il y avait un radar du côté de... Oh, la balance que t'es, quand même. J'avais annoncé par Sibi... Non, parce que comme... Fais attention, on les écoute, quand même. Comme j'avais annoncé... je m'en fous, de manière comme je conduis plus, donc... Il n'y a pas d'adresse, ils ne pourront pas le retrouver. Donc, c'était pour annoncer aux collègues que, comme quoi qu'il y avait une boîte à images sur une aire de repos. Une télé. Non, ils étaient là, donc manque de peau. Les autres, ils avaient entendu à la Sibi, ils avaient la Sibi, puis manque de peau, je me suis fait avoir. À l'époque de l'ORTF ou... Non mais c'est pas grave. Attends, non, Marcelito, tu t'es fait avoir pour un truc que tu prenais les gens. Ouais, parce que je prenais les collègues. C'est vraiment trop bête. Bon, Marcelito. Là, change la cassette. Marcelito. Ouais, bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle du 9-4.
101.9. On est parisienne, ouais. Ouais, bah 101.9. Bah bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Respect. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc, t'as entendu la question? Ouais, moi je pense que les boîtes à images, c'est pas bien. Mm-hmm. Parce que les keufs comme ça, ils animent des gens. Puis après, ils mettent des prunes et tout ça. Moi je dis que c'est pas bien, quoi. Ouais. Mm. Parce que franchement, moi quand je me fais aligner, j'ai pas mon permis. Donc franchement, j'en prends plein la gueule à chaque fois et c'est pas cool, quoi. Non, mais disons, ce qu'il y a, c'est que tu perds des points sur ton permis aussi. Bah ouais, mais j'ai pas de permis, donc je perds des points. D'accord. J'ai pas, quoi. C'est bien, c'est pas mal de balancer ça. Moi, il faut que je me déplace, moi. Faut que je travaille. Ouais, non, mais tu fais bien de dire que t'as pas de permis à l'antenne, hein. Ça fait quand même bien, hein, n'empêche. Je peux te vendre des chelasses, moi. Non, je m'en fous, j'ai pas peur, hein. Attends, c'est bon. Il y a une très bonne question, ouais. Encore, décidément, ça cartonne ce soir. De Harkonnen, il voulait savoir où est-ce qu'on peut acheter un radar. Là, tu peux pas en acheter. Ça se vend pas. Ah non, ça se vend pas. Je crois qu'au BHV, hôtel de ville, pareil. C'est le converteur souci. Non, je pense pas. Et le 15 juin, la Flèche d'Or, concert son quête. En plus, hein. C'est cool. Combien coûte la construction d'une autoroute, Marcelito, tiens? Oh, les pauvres questions. Allez. Tu viens avec moi, on tape plein de nanas. Avec toi, c'est chaud. Vas-y, le t'ange. Marcelito. Ouais, bah écoute. Il a pas entendu la question parce qu'il était avec moi, au standard. On va calmer, là. D'après, combien coûte la construction d'une autoroute? Moi, franchement, je pense que ça coûte cher. Moi, je pense que nous, on paye des impôts. Franchement, moi, je suis obligé de maquiller des voitures et de rançonner des gamines pour payer des impôts. Et mes impôts, ils partent dans les autoroutes. Alors que franchement, je pense qu'il y aurait des choses plus intéressantes à faire, tu vois, quand même. Avec l'argent des gens qui cotisent, quand même. Mmh. Tu vois, monsieur... obligé de voler des poules. Mmh. Quand même. Monsieur Mazur. Oh ben, je pense que ça doit coûter relativement cher, n'est-ce pas, au prix où sont les péages. Il paraît que c'est Magouille et compagnie, les autoroutes. Absolument, mais bien entendu. Mais non, mais si, c'est que c'est les ministres, absolument, la politique, bien entendu, qui financeraient, en fait, avec des caisses noires. Mais non. De dossier, ça, c'est comme... courte pipe. Oui. Les autoroutes. Oui, les autoroutes, c'est trop cher. Ah. Je suis désolé, moi, quand je pars vers le sud, c'est toujours 30 balles par-ci, 50 balles par-là. Combien coûte la construction d'une autoroute? Je te demande pas combien coûte un péage, espèce d'andouille. 3 millions de dollars. Non. Par exemple, tu vois, là, la nouvelle, la 14, là, qu'ils ont faite à la Défense. C'est pour aller. Oui, c'est la 28. Ouais. Non, la 28, t'avais joué ça dans Tintamilou, c'est la 14. Connard, Tintamilou. Gérard, il est chaud dans la vanne ce soir. Ouais. Non, mais tu sais, c'est la 14. La 14, elle est pas terminée encore, hein. Qui a coûté un blé monstre et c'est 28 francs pour 15 km. C'est honteux. Vas-y, c'est ce que j'ai entendu dire, ouais. Et je crois que maintenant, d'après ce que j'ai compris, il paraît que dès que tu vas prendre l'autoroute, par exemple, juste avant le péage, dès que tu rentres sur l'autoroute, ça va être, je crois que c'est, on peut en parler, mais. Non, ça sera environ 5 balles maintenant. Il paraît, hein, d'après ce que j'ai entendu dire, hein. Quand, où? Non, mais. C'est la taille de ta rondelle, Pousseline. Oui, bonsoir. Bonsoir, Pousseline. Bonsoir, Gérard. Ça va bien, Lyon? Bonsoir. Bonsoir, papa. Très bien. Alors, c'est clair que l'autoroute, ça doit être putain de cher, mais je pourrais pas te donner le chiffre exact. Ouais. Ça va pas être possible. Ça va être chaud. Mais, ça doit, Qui a un portable? Pas moi. Moi. Qui a un portable à l'antenne? Personne, Didier. À mon avis, il y a quelqu'un. Ah non, je les ai rappelés sur un fixe. Parce que il y a une haleine de bouc. Si ça te plaît pas, toi, tout à l'heure, tu vas retourner chez toi, tu vas voir, ça va aller vite, mais. Quelqu'un qui souffle. D'accord. Gérard? Oui. Tu vois ça, il y a pas mal de gens qui te demandent combien coûte une autoroute. Ben justement, j'allais donner le prix, mais quelque chose à un poil près. Faut compter environ. Pour laquelle? N'importe lesquelles, environ 210 millions d'euros. Ouais, mais elles font pas toute la même distance. Non, mais c'est même. Qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est pas grave, les gars. Tu fous 210 millions et tu prends une autoroute. Non, excusez-moi, je crois qu'il y a un truc important. Vas-y. Rigo, ça fait longtemps. Ouais. Tu sais plus ce que c'est qu'un débat de Gérard. C'est 210 millions et c'est tout. D'accord. Non, mais en gros, hein, quelque chose près, parce que j'ai Merci à lui, quoi.
Par exemple, la A14, elle a coûté combien? Bah attends, 210 millions, hein. Attends, la A14, elle est même pas terminée encore. Ah bon? Ils ont fait que l'ouverture de la défense, je sais plus où. Non, c'est là, non, mais monsieur Mazur, ça suffit. Monsieur Mazur, ça suffit. Attendez. Oui, t'étais à pied, c'est pas évident d'aller au bout de la A14. Non, absolument, mais bien sûr, monsieur Gérard. Non, monsieur Mazur, ça suffit. Je vous réponds, monsieur Gérard. Vous posez une question, je vous réponds. Moi, je peux vous dire qu'elle n'est pas terminée. La dernière fois que j'ai pris le bus, je suis passé devant. Elle est encore en chantier. Gérard, tu vas de terrain vague aussi. Je crois que c'était interdit de remplir les stocks dans les bus. Pousseline. Oui, bonsoir, papa. Bon alors, Pousseline, au revoir. Allez, salut là. En boîte, j'ai gerbé. Manu, tu dis au revoir à Pousseline. Ça y est. Terminé pour lui. Non, mais sérieux, Gérard. Elle est finie, la 14, que nous, on la prend pour la Deauville. Bah, il n'y a pas longtemps, alors. Ça fait 2 ans, facilement. Mais non, ça... Au moins, ouais. Mais oui, mais tu passes devant l'autre. Mais il y en a une autre, là, qui est en construction. Oui, mais c'est pas la 14, c'est pour aller à Saint-Germain-en-Laye. Eh ben, c'est la 86. Bah oui, bah alors. La 14 et demi, monsieur Gérard. Oh, mais ça suffit, là. La 14 et demi. Depuis tout à l'heure, vous donnez des coordonnées, mais vous la coulerez pas, ma frégate. Pourquoi ne pas laisser les péages gratuits pour les deux roues, justement, voilà. Attends, on va faire un petit sondage avant. Non, après. Bon, attends, Gérard. Bon, alors, une petite question IRC avant. Ouais. Alors, une question de Harkonnen qui te demande si on peut acheter sa partie d'autoroute et y mettre son propre péage pour gagner de l'argent. Non. Non, parce que les péages, ils sont construits en même temps que les autoroutes. Mais pourquoi? Bah, ça a toujours été comme ça. Et tu peux pas acheter une autoroute et te faire ton péage pour te gagner ton blé toi-même. C'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il faut une dérogation de la mairie. Mais là, je viens de réfléchir à un truc, c'est hallucinant. Ah, d'accord. Ouais, là, à cette heure-là, c'est hallucinant. Ouais, grave. L'État fait des autoroutes. Ouais. Mmh. Avec leur blé, je sais pas, avec notre blé. Avec notre blé. Attendez, mais laissez pas ça va loin. Non, ils peuvent réagir. Attends, on est imposable, hein. Attention, tu te calmes. Donc, ils font des autoroutes avec notre thune. Par rapport aux impôts, tout ça. Mmh. Et après, on est encore obligé de payer le péage pour prendre l'autoroute. C'est quoi ce délire? Ouais, mais personne nous force à prendre l'autoroute. T'es pas obligé d'en prendre. Mais si, tu prends l'autoroute pour rentabiliser ton argent, puisque c'est avec tes impôts qu'ils l'ont fait. Mais dans ce cas-là, si tu payes l'autoroute, ouais, automatiquement, c'est comme si tu faisais rien, parce que vu ce que tu payes pour les autoroutes, c'est pour les construire derrière. Ah, d'accord. Donc ça sert à rien. Ah, okay. Ça sert à rien. On paye deux fois, c'est niqué alors. Bah ouais. Moi, je voulais savoir si t'étais imposable, GG, sur le logement. C'est fou. Mmh. Moi, je suis imposable sur une question. Comme boîte à chaussures. Toi, tu te calmes, parce que sinon, tu vas gerber au standard. Moi, Gérard, c'est Marcelito. Moi, je voulais savoir, parce que, en fait, moi, dans le métro, tu sais, je me colle derrière les vieilles et puis je passe le tourniquet. Et au péage, je voulais savoir pourquoi on peut pas faire pareil. C'est-à-dire, tu te colles derrière une caisse. Et hop, tu passes la barrière. Non, moi je le faisais, moi. Ça va. Ouais, mais attends. Oh, la bizarre. Oh, l'autre. Ah, mais c'était dans les moments de solitude. Non, mais attends, déjà, Marcelito. À 4 grammes, on fait n'importe quoi. Mais Marcelito, de manière, je réponds à ta question, tu peux pas... Vas-y, ouais. Tu peux pas, parce que les barrières... Si, tu peux le faire quand c'est les trucs à pièces. Quand tu sais, quand tu lances le ouais, mais exact, et tout. Non, mais même. Pour 5 balles, en plus, le crevard. Lui, il récoltait des petits cailloux. Non, je faisais le poids exact. Il les mettait exact. Des pièces en chocolat. Non, mais maintenant, tu peux plus le faire. Parce que la barrière, j'ai récupéré des bouts d'os où tu t'es fait opérer. Par contre, il y a un truc qu'on a oublié de préciser tout à l'heure, qu'on a parlé des... Ouais, dis-moi tout. De péage ou de carte bancaire. Vas-y, confie-toi. Il y a un truc que personne n'a pensé à me dire sur les trois auditeurs qu'on avait eu auparavant et sur l'internet. C'est bizarre que personne n'a pu réagir. C'est que le jour... Je te jure. Mais quand le truc qui fonctionne pas, que ta carte ne revient pas, comment tu fais pour passer? C'est pas mal, ça. C'est ça. C'est pas mal ce GG. Oh, le rien de gonzesse. Oh, le rien de gonzesse. Moi, je voudrais dire au dealer de Manu que j'en veux 3 grammes aussi. Hein. Oh, merde. Oh, le... Qui a coupé? Monsieur Mazur. Qui a coupé? Gérard. Courte pipe. Bah, c'est courte pipe. C'est courte pipe, tu le rappelles pas, c'est pas la peine. Hein. D'accord. ouais, il y avait des questions. Sondage, on avait attends, dit... on accueille quelqu'un, on accueille Numbo. Bonsoir, allô. Numbo. Allô. T'appelles d'où, Numbo? T'appelles de Paris. Salut, GG. J'aime bien, tu sais, GG. Quoi? J'aime bien, toi. Ouais, ben, pas moi. C'est Numbo. Tu vois? Bon, quelle est la différence? Quoi?
Qu'est-ce que c'est que ce sondage-là? Bah vas-y. Quelle est la différence entre la nationale et l'autoroute? Ah oui, mais d'accord, hein, c'est pas du tout le même truc. Alors, 75% disent que c'est la longueur comme toi et Rocco Cifredi, je sais pas ce que ça veut dire ça. Bah, c'est un mec, ça dépend. L'autoroute, c'est plus long qu'une nationale, c'est comme toi par rapport à celle de Rocco Cifredi, je crois. Et 29% des gens répondent que c'est le prix car l'autoroute est moins chère, c'est pas vrai parce que les autoroutes, c'est les nationales les moins chères. Bah non, parce que si tu dis les nationales, généralement il y a beaucoup plus de radars. C'est vrai. Donc bah, tu payes. Ouais, sur les nationales, c'est vrai qu'il y a plus de radars. Mais alors, tu vois, 23% disent que le nombre des routiers alcooliques, ça, je vois pas du tout le rapport. Et 25% répondent les accidents sur les verglas. De quoi 25% répondent les accidents sur le verglas. Ah. Enfin bref. Limité, hein. On va continuer comme ça, ça va aller plus vite. Comment conduire sur une autoroute? Alors 60% des gens répondent c'est sans hésitation, sans ceinture et sans permis. Pourquoi pas? 45% répondent avec une grosse tressée qui suce la rotule, bien sûr. 36% des gens pensent que le mieux c'est de conduire la nuit ivre. Alors voilà, c'est encore pire. 18% pensent que c'est un petit peu exagéré de laisser conduire un moustachu sans cervelle. Bah voyons, pourquoi pas. Et d'où vient l'autoroute et comment? Alors 82% des gens disent que l'autoroute a été créée par Einstein. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans, lui? Ah, tu le connais? 55% pensent que la première est arrivée à 1er 68, ça m'étonnerait. 32% ne répondent pas, car je veux plus de la gueule, ben il va se faire foutre. Et 10% murinent dans le fondement, je sais pas ce que ça veut dire, mais bref. Il pisse au cul, on va voir. En gros, c'est ça, ouais. Enfin, c'est encore des sondages de nul. Ouais, Manu. Merci, Rigo. On va accueillir Alain Barrière de PH. Désolé, il est tard. Comprenez. Bonsoir. Putain, l'air est bon. Alain. Salut l'équipe du Starfish. Allô. Bonsoir. Oh. Bonsoir. J'aimerais qu'il m'explique comment fonctionne sa chaîne Wi-Fi, parce que pendant qu'il anime ses débats à la con, on est en train de se bourrer sur Sandy, lui pisser, lui chier la gueule, on aimerait bien le faire en musique en écoutant sa voix de pédé à la radio. Voilà, puis en plus elle aime ça ta cochonne, dira, hein. Alors tu libères la ligne, s'il te plaît, pendant que tu fais tes débats, et tu nous laisses bourrer ta femme. Allez, moi, sur la fesse droite, c'était Angelo. Ciao. Voilà, ta gueule. Ciao. Bon, Alain, t'appelles d'où? J'appelle de péage. T'appelles de? C'est où ça, péage? C'est où? Un petit village à côté de Charleville-Mézières. Ouais, la fréquence? C'est 108.1. Pardon? 108.1. Pardon? 108.1. Pardon? La question? 108.1. La question, pourquoi ne pas laisser les péages gratuits pour les deux roues? On va demander à Marcelito. Ouais, bah tu vois, moi je pense que les deux roues doivent marcher. C'est quoi ça? Ah, t'inquiète pas, c'est l'autre qui s'amuse à faire le con. Marcelito, t'es de quelle origine? Moi je suis d'origine manouche. Tu veux, ma mère était bohémienne, et un jour au Sainte-Marie de la Mer, elle a rencontré le grand chef gitan, et me voilà, moi je vis sur Paris, parce que c'est là qu'il y a de la caisse, c'est là qu'il y a de la poule, tout ça, il y a de la tapineuse, donc moi je suis venu là à Paris pour réussir. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais passer sur Fun pour faire de la pub. Donc voilà, si vous voulez une voiture, il y a mes coordonnées au standard. Pense à ta mère. Si vous voulez une poule pour la nuit, pas de problème. Maintenant, pour tout ce qui est rite, égorgement, assassinat, Marcelito, c'est possible aussi. Marcelito, au revoir. Il y a des gens qui ont lancé un contrat sur une grosse tressée. Allez, s'il te plaît, tu lui dis au revoir. Manu, s'il te plaît, tu lui dis au revoir. Manu, s'il te plaît, au revoir. Voilà. Nambo une poire. Ouais, je suis là. Moi, tu réponds? Bah écoute, moi je pense que t'as raison, quoi. Écoute, attends, à tous les niveaux, Gérard. Tu vois, moi je te fais confiance entièrement, t'es comme un père pour moi. Eh, hey, tu réponds à la question ou quoi, là? Parfait. Non mais Manu, me parlait en antenne, j'ai pas entendu ta question. Ouais, c'est vrai. Putain, mais c'est pas vrai, mais ils sont bornés ce soir ou quoi? C'est quoi ces auditeurs avec qui m'appellent? Vas-y, cousin, dis-la moi ta question. Bon, allez, dégage, Nambo, au revoir. Terminé pour Nambo. 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 La vallée, les gars. Nambo. Terminé pour Marne la vallée. Ouais. Terminé pour Nambo, c'est fini. Ta mère. Tu lui dis au revoir. Pense à ta mère. Pense à ta mère. Merci. Alain.
Oui. Alors, pour toi La question, c'était quoi? J'étais un peu... Pourquoi ne pas laisser les péages gratuits pour les deux roues? Ah ouais, je pense à la mère, là. Moi, je trouve ça dangereux, hein, les vélos sur l'autoroute. C'est... Les deux roues, c'est-à-dire les motos? Ah ouais, d'accord. Bah, pourquoi c'est pas... Bah, pourquoi ils paieraient pas, eux? À mon avis, ils doivent payer comme tout le monde, hein. Bah voilà, alors pourquoi tu poses la question? Bah alors, si je te demande... Moi, je te demande pas que tu l'as réglé. 1h05. Je peux te le dire, 1h05. Ouais. Je te demande de répondre à la question, c'est tout. Si t'as envie d'y répondre, tu réponds. Si t'as pas envie de répondre, tu retournes au lit. Bah, c'est ce que je dis, quoi. Pourquoi ils paieraient pas comme les autres, c'est tout. Bon, bah alors, monsieur Mazur. Non, oui, bah, je suis d'accord avec ce qui s'est dit précédemment. On pense à ta mère. Bon, alors, monsieur Mazur, je vous dis au revoir. Mais pourquoi, monsieur? Non, mais moi, je vous dis au revoir, ce coup-là. Mais, attendez, allez, qu'est-ce que j'ai fait? Au revoir, monsieur Mazur. Allez, bon, Manu, tu me donnes d'autres auditeurs et tu dis au revoir. Ah, il y en a deux autres, là. Ben alors, on a. Donc, on a monsieur Mazur. Non, on lui dit. Bonsoir, c'est monsieur Mazur. On lui dit au revoir. Alain Barrière de péage, on a Motoneige et on a Gérard Poussin. Oui, bonsoir, Gérard Poussin. Salut, Gérard. Je suis un enculé droitier, bonsoir. Motoneige, t'appelles d'où? J'appelle de Reims, 100.7. Et Gérard, je sais pas quoi, là. Poussin. Poussin. Ouais, t'appelles d'où? J'appelle de Suresnes. Oh là là. Hey, Yann, c'est ton voisin. Ouais, c'est ça. 101.9 la fréquence. C'est fou parce qu'il a presque le même nom que toi. T'as avant de t'appeler Toussaint. Gérard Toussaint, lui, c'est tous ses coussins. Manu, t'as dit au revoir à monsieur Mazur. Hein, c'est terminé pour lui. Hein. Bonsoir, c'est monsieur Mazur. Monsieur Mazur, au revoir. Comment ça va? Monsieur Mazur, au revoir. Bonsoir, c'est monsieur Mazur. Monsieur Mazur, au revoir. Au revoir, on n'a plus besoin de vous, terminé. On n'a plus besoin de vous. Motoneige. Motoneige. Bonsoir, c'est monsieur Motoneige. Tu vas pas remplacer monsieur Mazur, sinon tu dégages aussi, toi. Ouais. Bon, alors... Tu vas pas me casser les couilles longtemps, toi. Filard, tu arrêtes, s'il te plaît. Non, c'est pas moi, là. Attends, tu vois bien que c'est un insert. Bon, alors. Monsieur Motoneige, là. Ouais, et Manu vient de me mettre à l'antenne, j'ai pas entendu la question. Pourquoi ne pas laisser les péages gratuits pour les deux routes? Rien pas que je répète. Oh, mais qui est con? Motoneige. Motoneige, tu réponds s'il te plaît. Ouais, ben on fait bien payer les routiers, je vois pas pourquoi on fait pas payer les deux routes. C'est logique, Gérard. Non. Je te demande si pourquoi qu'on les met pas gratuits les péages pour eux, pas pour les routiers. Oh là 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 là. Motoneige, t'es en train de dormir. Motoneige. Oh, ma putain, merde, c'est pas moi. J'ai rien dit. Bonsoir. Ça y est, ouais. Bon, ouais. Motoneige, au revoir, monsieur Mazur, au revoir. Mais monsieur Mazur, il est pas là. Non, il est encore là, terminé pour lui, Gérard. Ça passe ou quoi? Ouais, ouais, bonsoir, Gérard. Putain, vous commencez à me dégonfler ce soir-là. Très bien. Donc, non, je pense qu'ils doivent les faire payer comme tout le monde, hein. Je vois pas pourquoi les routiers ne paieraient pas. Non. Gilles, s'il te plaît, t'arrêtes. Quoi, non. Pas moi. Bah, quoi? Bon, Rigo, une question. Je crois que qu'il y a eu un accident à la hauteur de Beaune sur la 6, donc la circulation est coupée en direction de Bourg-en-Bresse. Merci, Fesse de Bob. Ah, c'est une bonne indication. Bah, ouais, quand même. Comment il sait? Il a été mettre des affiches? Non, il a vu ça sur le site. RadioGérard.fr. Ah ouais, tiens, comme par hasard, Fesse de Bob. Oh, mais merde, putain, mais merde! Si, c'est toi, alors arrête! C'est pas moi. Bon, allez, on va faire une pause parce que ça commence à me gonfler. Monsieur Mazur, ta gueule! Manu, tu me récupères. Noémie! Elle fait rien. Depuis minuit, t'as pas pris un seul auditeur. Alors tu vas me prendre des auditeurs. Ah si, j'en ai pris. Ils sont où alors? Ils sont passés. C'est faux. Si, c'est vrai. Non, alors, on va s'écouter les révoltés du Bounty Anal avec saut de partie sur l'air de repos et on se retrouve tout de suite après au 0803-08.5000 pour la suite et fin du débat. A tout de suite. Pourquoi connard? Allez, hop, dehors. Les débats de Gérard. Et voilà, donc, il reste encore trois quarts d'heure d'émission. Donc, oh non. Bah si, trois quarts d'heure, après c'est terminé.
C'est quoi qu'on vient d'écouter? Parce que c'est pas ton nom. C'était les Bounty, les révoltés du Bounty Anal avec Solo Party sur l'air de repos. Oh putain, beau truc. Voilà. Donc vous pouvez toujours. Les mecs qui se creusent, ça va cartonner. Ouais. Vous pouvez toujours nous appeler au 0803-085000. Donc il y a toujours Manu au standard. Noémie est partie. Noémie est partie parce qu'elle avait quelque chose à faire. Et demain, c'est le standard de chez RFM. Rigo, toujours sur l'internet. Bonsoir. On peut avoir le chiffre à peu près là maintenant? Alors, ça sort le 6 juin. Ça s'appelle Sonkai Attentat. Oh putain, vas-y, merde. Hâte de faire ta promo. On est combien? On est combien sur Alors, on est 7584. Et ça monte, hein. Ça monte, mais c'est toujours aussi raide. Je sais pas par quel miracle, mais... Et toujours Fulda à l'AREA, donc... Ouais. Alors, on a Kate pour ça à la barrière de péage. Oui, rebonsoir l'équipe. Rebonsoir. Gérard de... Gérard Poussin. Gérard Poussin, s'il te plaît. T'appelles d'où? J'appelle de Suresnes. T'en fous pas de ma gueule, s'il te plaît, merci. Non, je ne me permettrai pas, Gérard. T'hallucines pas que t'es pratiquement le mail, enfin, un homonyme. Sais, c'est un peu mon idole, quoi. Dans la même ville. Ah, pratiquement. Physiquement. J'ai peut-être même la même fille. Bison foutu, bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Trace de Souillon. Quoi? Dans le Calvados. Ah, oh, t'es un blaireau, toi, hein. Ah non, pas du tout. Bon, ta fréquence? 102.7. Merci. Roselinito. 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 Ouais, bonsoir. Bonsoir, t'appelles d'où? Ouais, j'appelle du 9-3. 101.9. Ok. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Edgar, ça va? Très bien. Bon. En forme. Alors, la question, c'est pourquoi ne plus... Ah ben ça, on l'a fait déjà. Ah ben non, tout le monde avait pas... Tout le monde, comme c'est des nouveaux, on va pouvoir faire. Ouais, c'est clair. Alors, pourquoi ne pas laisser les péages gratuits pour les deux roues, donc Alain Barrière? Pour les deux roues, mais je t'ai déjà dit, c'était dangereux, je trouve. Ah ouais, ouais, non, mais t'avais répondu, toi, déjà, au début, hein. Moi aussi, hein. Qui? Gérard. Aussi, alors bison foutu. Moi, je suis d'accord pour qu'on taxe les deux roues, il n'y a pas de raison. Mais pourquoi? Bah, parce que, ils profitent de l'autoroute, donc je vois pas pourquoi ils ne feraient pas. Mm-hmm. Même si je trouve le système encore un petit peu injuste. Car ça favorise la fonction publique. De toute façon, toutes les personnes qui sont sur les autoroutes devraient forcément payer, quoi. C'est qui dit ça? C'est Gérard. Mais c'est comme les chiens abandonnés que tu laisses traîner sur l'autoroute, on devrait les taxer, quoi. Mais ça, c'est... Non, mais ça, c'est misérable, ça. C'est la misère humaine. Hein. C'est vrai. Non, mais ce qui se... Bat, là, oh, s'il vous plaît, là, on va... Je vais répondre, là. Non, mais le truc, c'est tous les ans à la même époque, au moment des grandes vacances, que ça se produit. Hein. Ils jouent bouga des riens. Roselinito. Ouais, bah écoute, moi je pense que ça devrait être gratuit. Parce que l'autre fois j'avais des barres en YZ et il n'était pas question que je paye le péage, je te le dis tout de suite. Parce que je pense que pour les deux roues on prend pas beaucoup de place. Moi je vois avec un 103 quitté, tu peux en aligner 5 sur une file d'autoroute. Et ça prend pas plus de place qu'une voiture, quoi. Donc il n'y a pas de raison qu'on casse à chaque fois, quoi, tu vois. De toute manière, déjà, pour commencer, les motos sont autorisées, mais les scooters sont interdits sur les... Ah non, mais c'est pas un scooter, c'est un 103. Non, mais même, que ça soit 103 ou... Il est quitté, mon 103, il va à 180, même... c'est un truc de malade, attends, tu rigoles ou quoi? Même, c'est interdit pour les Laguna CVS avec... C'est interdit pour les véhicules non immatriculés, c'est-à-dire scooters et mobilettes, etc. T'as pas besoin d'une plaque d'immatriculation pour prendre l'autoroute, hein, ça Ah bah, c'est interdit, pareil, c'est comme le périph', tu peux pas prendre sans plaque. Sans plaque, ouais. Non, y a, ça fait que tu peux plus le prendre, en fait. Ouais, tu peux plus. Non, mais même là, avec y a d'autres trucs. Il y a les vis, ça, tu peux. Par contre, si t'as les vis, tu peux. Et plastique ou... Ça dépend, t'as quoi, il te reste quoi? Ma copine, elle a une broche, elle peut le faire. Hein. Te reste quoi, l'homme de fer? A-t-on le droit de stationner sur les bandes d'arrêt d'urgence? On va demander à Roselyne Lito. Moi, je sais qu'une fois, je me suis arrêté sur une bande d'arrêt d'urètre. Honnêtement, ça fait mal. Honnêtement, ça fait super mal. Attends, je me suis pété le frein, ça fait super mal. Ça peut arriver des fois, attends, on n'est pas à l'abri de l'erreur. Hein. Je te pose la question, je te répète la question, a-t-on le droit de stationner sur les bandes d'arrêt d'urgence? Bah, je viens de te répondre. Moi, ça m'est déjà arrivé, j'ai eu mal, c'est tout. Bon, ça commence à bien faire là, Fildar, s'il te plaît. C'est pas moi, merde, mais pourquoi toujours moi? Putain, mais ça commence à chaque fois que Max est pas là, vous foutez la merde, même quand il est là, hein. Ça commence à bien faire, hein. Bison foutu, là. Ouais, c'est vrai que, bon, c'est pas trop recommandé, mais c'est vrai que moi je l'ai fait une fois parce qu'il y avait une bande de jeunes qui avaient
qui avait abandonné des vieux sur la route. Mmh. Moi, je suis allé. Parce que moi, je plante des sapins, là, au bord de sur les Landes. N'importe quoi. Non, mais c'est pas, bah écoute, c'est mon métier. Hein. Gérard. C'est mon métier. Ouais, Gérard. Bah, une bande d'arrêt d'urgence. Excusez-moi, je vois des gogoles qui. Enfin, c'est pas grave. Donc, allez, une bande d'arrêt d'urgence, bah ouais, c'est fait juste pour s'arrêter en cas d'urgence, quoi. Non, mais est-ce qu'on a le droit de s'arrêter pour d'autres. Ah d'autres... non, pas pour d'autres raisons, ça pourra bien selon en cas d'urgence, c'est tout. Ouais. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est exact. Quand. Exact. Voilà. Ouais, non. Merci. Oh non, exact. Non, okay, c'est très bien. Alors, c'est... Manu. Ouais. Non, ce que j'ai remarqué, c'est quand il y avait des embouteillages sur l'autoroute. Il y a des gens qui pissent. Ah, ça y est, là, vous vous calmez derrière. Il y a des mecs qui mettent les warnings, qui font semblant d'être en panne et qui prennent la bande d'arrêt d'urgence pour passer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais je vais te dire une chose que c'est moi qui. Laquelle oh c'est moi qui réponds, c'est pas toi, d'accord. Non, mais il y a même des ploucs qui chassent le hérisson sur les autoroutes, ça c'est. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est qui. C'est trop stressé qu'il les cuisine pour qu'il les bouge. Qui c'est qui s'amuse à dire des conneries comme ça. Ah. Allez, alors qui c'est? Là, il n'y a plus personne. Ouais, c'est vrai, il n'y a plus personne. Là, laisse tomber la poudre. Donc, alors, pour répondre à ta question, donc, Pilar, donc, tu disais qu'il y en a qui s'amusent à passer par la bande d'arrêt d'urgence en se mettant en whirling. Mais fais-moi confiance que s'ils sont piqués par les flics, ça leur coûte vachement cher. Oui, mais en whirling, si. Mais même. Rien en whirling. Non, mais attends. Forcément en panne. Ouais, non, mais attends, parce que je sais, j'ai vu faire, quand tu prends l'autoroute, pour aller sur le Havre, là. Tu sais, quand tu prends le triangle de Reconcours, là, à un moment donné. C'est magnifique. Là, ils s'amusent. Oui. Mais fais-moi sympa là-bas. Ouais, mais t'inquiète pas, que les mecs, ils passent pas parce que. Il y en a certains qui se mettent sur la bande blanche aussi. Ah ouais, ok. Et ils restent derrière. Je sais parce que sur le triangle de Reconcours, tout le monde le fait. Alors, ça. Alors, la question, c'est pareil que comme les Bermudes là-bas. À quoi sert cette bande alors? Non, ouais. Mais ça sert. Bah, justement, on va attendre que Alain Barrière de péage ait répondu. Il y en a une question. Moi, qu'on rigole à ma part. Attendez. S'il vous plaît, Manu. Manu blague. Attention, jingle van. Jingle van. Attends. Il paraît que c'est... La vanne de Manu. Il paraît que c'est comme dans le triangle des Bermudes. Alain Barrière. Donc pour enchaîner vite fait, juste... Ouais, ouais. Vas-y, oh, mais ça y est, là. Quand la grosse aura fini. Putain. Yeah. Oh, oui. Sans touche tes doigts. Mm-hmm. Vas-y, mets ton doigt dans ma chatte. Pas ouais. Sympa. Encore. Elle est chaude. Encore plus fort. Un fil d'art, ça t'a fait. Non, mais merde. Dis-moi, Gérard. Oh, ça y est. Ta gueule, toi. Allez, hop, toi, dégage, Gérard. Au revoir. Terminé, au revoir. Il t'aimait pas, tu t'appelais comme lui. Allez, Manu. Oui, non, rien. T'es mal. Rigaud. Oui, donc sur IRC où on est énormément, on a dépassé les 8000. Hein. Oh là 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 là, oh, champagne. 8063. Oh, il y a une très bonne question de Davy One, j'espère que c'est faux. Il te demande si on trouve autant de traces de frein sur les autoroutes que dans ton slip. Gérard, réponds. Je répondrai pas. J'y répondrai pas. Alain Barrière. Oui. Je réponds pas à des conneries comme ça. Donc, pour toi. Bah ouais, les bandes d'arrêt d'urgence, ça sert pas à faire pisser ton chien, quoi. Ça sert quand t'as un accident. Mmh. Déjà, bah ouais... Ça... ta belle-mère aussi. Non, mais ça, il faut se dire une chose, que les bandes d'arrêt d'urgence, normalement, sont faites uniquement en cas de panne. Mmh. Il y en a certains qui s'amusent à s'arrêter pour pisser, ça c'est vrai. Il y en a pas mal qui s'amusent à le faire, mais... Ouais, mais regarde, GG, il y a des stations, non? Il y a des stations pour pisser. Ouais, mais s'ils ont pas le temps... Attends, toutes les 20 bandes, t'as une station sur l'autoroute. Ouais, mais... tu voulais... Ouais. Attends, GG. Je voulais dire un petit... Attends, derrière. Ouais, à la barrière, je t'écoute. Je voulais te dire, tu sais, tu dis que c'est quand ta voiture elle est accidentée, mais je sais pas si t'as un malaise ou quelque chose comme ça, t'as pas le droit de t'arrêter. Si. Ouais, la voiture, elle est pas accidentée. Non, mais t'as le droit de t'arrêter, même si quelqu'un a un malaise, tu t'arrêtes. Au contraire, c'est fait pour ça. Si la personne a envie de vomir ou autre. Oh, hein. T'as mal à la couche, tout ça, tu... Non, quand même pas, là, parce que là, c'est quand même assez dangereux. Ah bon, mais regarde, si j'ai... Oui, qui c'est? C'est Roselinito, là. Ouais. Si par exemple, moi, je regarde, je sais qu'une fois, je m'étais arrêté pour passer un coup de fil, là, tu sais, dans les petites cabines oranges qui est au bord des autoroutes. Ouais, parce que t'as signalé un accident. Ah non, c'était pour téléphoner à ma copine, mais, T'es bien obligé de t'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence dans ces cas-là. Bon, déjà, pour dire une chose, que maintenant les portables sont interdits. Quand tu conduis, on fait déjà la chasse pendant les. Ah, mais c'est pas le portable, c'est le petit téléphone orange là qui est sur le bord de la route. Ouais, mais sur les téléphones orange, de toute manière, tu tombes directement en relation avec la gendarmerie. Donc, ah non. Ah, si. J'ai appelé ma meuf, moi. Mais bien sûr, ils t'ont rien dit. Comment ça? Non, que dalle. Ça m'étonne.
Non, elle m'a dit quand est-ce que tu rentres et est-ce que t'as pensé à acheter du pain. Ouais, ça, c'est ça, bon. T'as raison. Manu, je voulais accueillir Dev Superstar, bonsoir. J'irais bien refaire un tour du côté de chez soi. Dev. Allô? J'avais compris Dev. Ouais, moi aussi. Dev Superstar, t'appelles d'où? J'appelle de Jouy-sur-Jean-Louis. À côté de Bourg-la-Reine. Il a le droit, il a le droit. La fréquence 104.8. Oh là, la voix de Travlo. Bonsoir la viotte. Gérard, oui. Sur RC, il y a Max 296, il aimerait que tu lui donnes un conseil pour passer un péage bourré. Bon, bah là, là il peut rêver, il aura pas de conseil. Jamais c'est combine, Gérard. Jamais. T'as des trucs et astuces quand même. Là-dessus, s'il passe un péage bourré, de toute manière, il y a les flics qui l'attendent bien avant. Hein. Ah, tu respirais de l'éther, il paraît. Ouais, c'est ça. Raconte-nous. Non, mais de toute manière, c'est pas la peine, c'est la question, elle est con, je répondrai pas. Par contre, Gérard, je sais pas si tu te souviens, tu sais, sur les aires de repos, tu sais, il y a toujours un parcours là, de santé, tu le faisais ou pas? Non, bah t'es fou, ça. Non, parce que moi, je l'ai fait, c'est j'ai chopé la chenouille. C'est ça, t'as ok. Manu, ouais, bon, on m'a dit qu'avait été vu récemment sur l'autoroute un chat nommé Calin. N'importe quoi, lui. Vive le marié. Bon, Dev Superstar, t'as entendu la... Bah non, je viens d'arriver. Alors, a-t-on le droit de stationner sur les bandes d'arrêt d'urgence? Ça dépend de l'urgence. Oh là là là. Ça te dérangerait de te réveiller un petit peu plus? Je suis totalement réveillé, mais attends, mais c'est vrai, ça dépend de l'urgence. Bon, tu te réveilles un peu plus, tu réponds mieux que ça ou quoi, ça dépend, là? Ça dépend quel est le type de l'urgence. Je crois qu'on parlait d'accouchement, d'envie de vomir ou de faire pipi. Oh là là. Bon, voilà. Non, mais laisse-le, il est doux, il est suave. Oh là là. On va s'endormir. Mais je suis absolument pas endormi, c'est ma manière de parler. Ouais, d'accord, bon, bref. Ouais. J'ai encore une mortelle question de Carafafa sur l'IRC. Attends, Rigo, te sens vraiment pas obligé. Je te jure, je suis obligé. T'es pas obligé, hein, t'es pas payé, Rigo, donc c'est comme c'est sûr, hein. T'inquiète. Ok. Donc, Carafafa sur l'IRC, il voulait savoir si on peut planter sa tente à côté de l'autoroute et laisser sa voiture sur la bande d'arrêt d'urgence pour faire un somme. Il l'avait dit, Rigo. Non, c'est interdit. Mais pourquoi C'est interdit. Mais pourquoi? Mais réponds. Mais c'est interdit, de toute manière, t'as pas le droit de... Merde. Ta gueule, toi. On ne paye pas et tu réponds pas, fais chier. Bah va te faire foutre, toi, espèce de trablot. T'es comme, c'est pas ton copain, Dev Superstar, non? C'est pas ton frère, ton frère jumeau Travlo, non? Non, elle arrête pas à parler. Bon, non, tu ton frère jumeau Travlo. Enfin. Il est con, il a des idées à la CEDIC. Non, c'est interdit. Bon, ça y est, t'arrêtes avec ça là. Donc c'est strictement interdit de planter sa tente sur une bande d'arrêt d'urgence et laisser sa voiture. Est-ce qu'on peut planter sa femme sur une bande d'arrêt d'urgence? Non plus. Pas se faucher par un camion. Non plus, c'est interdit. Donc pourtant. Alors planter une tente, Gérard. t'as jamais planté que tout à l'heure tu as retourné au standard, toi? D'accord. Faut pas qu'elle le prenne mal. Non, mais je te demande si... Enchaîne, poussin, enchaîne. Bon, allez, hop, dégage. Au revoir. Il a rien dit, j'ai... Terminé. Hop, terminé. Enchaîne. Allez, dégage. Il nous faut notre quota d'homo, là. Allez, Manu, tu lui dis au revoir, c'est terminé pour lui, on n'a pas besoin de... J'aimerais bien refaire un tour... Bon, Manu. Manu. Oui. Tu lui dis au revoir, terminé. J'ose pas. Allez, on t'embrasse. Terminé. Non. Les gourdins s'en foutent, la parole aussi, hein. Oh. La question, faut-il réaménager les aires de repos pour les enfants? On va demander à Rossellino. Moi je pense que ouais, parce que ça devient de plus en plus dur d'enlever des gamines, parce que moi je vois les bacs à sable, ils sont toujours au vu des parkings avec les parents. C'est vrai. Et l'autre fois on avait serré la gamine d'un riche industriel qui travaille dans un truc de pétrole avec trois lettres elf, tu vois. Excuse-moi, Rossellino. Ouais. T'es de quelle origine? Je suis un peu gitant sur les bords. Ouais, bah. Pourquoi? Manu! Là, oui. Jourave. J'ai l'impression que tu m'as repris le même que tout à l'heure. Non, c'était Marcel. C'est Lito tout à l'heure. Ouais bah. C'est pas de tes cousins. C'est un cousin, c'est la famille. Ah ouais. Bison. 28 injections si tu veux en ce moment, c'est de la balle. Bison foutu. Ouais, mais faut que tu me la répètes là, j'ai débranché avec le temps. Je... Tu réponds à la question? Non, mais répète-la moi s'il te plaît. Non, mais je me souviens plus. Bah, je répète pas les questions, j'ai dit. Les aires de repos pour les enfants. Ah oui, c'est vrai.
Bon alors ça part ou quoi? Vas-y, passe l'aspi, Tony Micheli. Okay, enchaîne. Bon allez, bisous foutus, au revoir. Allez, oh, tu lui dis au revoir, terminé là. Bonsoir, c'est monsieur Mazur. Bonsoir, ah, c'est où lui? Ah, il s'est faufilé. Alain Barrière. Ouais. Il manque plus que le répondeur. Bah, moi, je pense que Angela Bauer. Pour les enfants. Je préviens qu'il n'y a plus de questions. Alors, t'en avais combien là? Ça y est, c'est la dernière hein, déjà. Tu plaisantes. Ouais, ouais, c'est comme un salaud, toi, tu dis rien, tu sais. C'est la dernière hein. Alors, Alain Barrière. Oui, bah, moi, je te disais, je trouve que c'est bien les aires de repos pour les enfants. Mmh. Comme ça, ils peuvent s'amuser, puis bon... Mais faut-il les réaménager ou en faire d'autres? Qu'est-ce que tu veux rajouter? Qu'est-ce que tu voudrais rajouter, toi? Tu sais, t'as des vieilles balançoires avec des clous et tout, tu peux te choper le tétanos, mais bon, c'est pas grave, c'est, au moins ils jouent, quoi. Non, mais maintenant, ils mettent des trucs tout neufs, hein, presque. Hein. Bah, je sais pas où, hein. Ce qu'on comprend pas, c'est que... Donc l'argent, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'argent qu'on donne. Bah, ouais, qu'est-ce qu'ils en font? Ils refont quoi avec? Ils refont d'autres autoroutes? Bah, ils refont, ils rénovent pas celles qu'ils ont déjà faites. Bah non. Sur Beaune, ça a été refait. Hein. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est du côté de Tournus, ils avaient tout rechangé. Hein. Okay. Mais tu connais tous les noms. Mais... Ouais, Gérard. Ouais. Si toi t'avais des enfants, en imaginant qu'il y ait autre chose que du moisi dans tes couilles, si t'avais des enfants, tu voudrais quoi comme jeu dans C'est qui ça? C'est Roselyne Ito, pourquoi? Eh ben, je te dis au revoir. Pourquoi? Bah non. Au revoir. Ça t'apprendra d'être poli avec les gens. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bon, ça commence à marier. Comment? Ouais, Manu. On accueille Romain Michel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gérard. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir, t'appelles Monsieur d'où? Mazur. T'appelles d'où? J'appelle du 9-3, Saint-Denis. Oh mais ils appellent tous du 9-3, Manu, t'as des potes là-bas ou quoi? Ben non, ils d'ailleurs, habitent... d'ailleurs, je suis en galère de logement et Gérard, si tu pourrais me trouver une petite place à l'hosto. C'est ça, t'as raison, tu rêves. Ah. Manu, je crois que ça commence à bien faire là, hein, de me prendre toujours des mecs comme ça, un peu louche. Alors faut-il réaménager les aires de repos pour les enfants, donc si, pour toi. Juste avant, on accueille un quatrième quand même que je viens de trouver. On accueille Gros Clignot. Ah. Bonsoir. Salut Gros Clignot. Bonsoir déjà. T'appelles d'où? J'appelle de Saint-Denis. 100.9. Ah, t'es mon pote toi. Ils appellent tous de la... J'y peux rien, Manu, ça commence à bien faire ces histoires. Hein. Bah, dites Bordeaux. Ouais, non, mais c'est ça. Donc, alors, la question, je l'ai dit... Ouais, c'est ça, t'as raison. Trop tard. Bon, alors, pour Romain Michel, là, et puis gros Clio, là, vous répondez à la question. Tu veux qu'on réponde en même temps? Non, bah, chacun... Ça ne dérange pas. Bah, alors, en fait, tu vois, contre des autoroutes, des aires d'autoroute, c'est peut-être mieux pour s'amuser, pour les gamins. Vaut mieux qu'ils s'amusent sur les aires d'autoroute que sur l'autoroute. C'est peut-être moins dangereux pour eux. Mmh, c'est vrai. Qu'en penses? Bah oui, ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Romain Michel. Ouais, bah, c'est clair que sur les autoroutes, les aires d'autoroute, il n'y a pas grand-chose pour que les gamins s'éclatent. Donc il faudrait rajouter un peu plus de toboggans, tout plein de trucs comme ça, quoi. Bah justement, c'est ce que Fildar est en train de nous dire avec l'argent qui nous pique avec les impôts. Ouais. C'est de savoir pourquoi ils ne s'amusent pas à réaménager des aires de repos. Ouais, c'est clair. Et puis surtout, t'as raison, Gérard. Ils devraient mettre des toboggans carrément sur l'autoroute. Non, dans les aires. Ça gagnerait de la place. Dans les aires de repos, pas sur les autoroutes. Non, sur l'autoroute, ce serait mieux. Mais non. Les gamins, ils peuvent pas s'en traverser. Mais non. Oh, ça y est, c'est celui qui renipe comme un bouc. Merci. C'est sur moi, c'est tout. Rigo. Oui. Des questions IRC, non? Ouais. Bah alors, ouais. Bah, j'écoute. Alors, voilà, c'est chaud. Franchement, je peux rien te dire, là. Y'a rien? Franchement, c'est chaud. Bon, bah, tant pis, hein. Donc, quelle heure il est? 1h34. Bah, on va continuer, on va essayer de... Bah ouais, on va mettre un disque, et puis tu vas réfléchir à 2-3 questions, qu'on va réfléchir ensemble, ce sera plus simple. Bon, alors, on va s'écouter Norbert. Ah, t'as déjà le titre du disque? Norbert mange du lard avec l'autoroute du plaisir, et on se retrouve après au 0830-0803-08-5000 pour la dernière demi-heure. À tout de suite, hein. Play. La tienne, la vraie. Bah tiens, nickel. Salut. Ta fréquence 101.9. Merci. Salut Matouze. J'habite à Paris dans le 15e. Moi je m'en fous. À la barrière. Ouais, toujours là, je resalue. Ta fréquence Je sais plus ce que je t'ai dit. Bah tu m'as pas donné de fréquence alors. Ah oui, c'était 107.1. 107.1. Bah alors, petite poulette, faut te réveiller un peu. Gros Clio. Gros Clio.
Donc 100.9. Paris, 3. Et Romain Michel, 100.9. Oui, bonsoir, vive Sainte-Claye. Donc alors, on va continuer. Donc, pensez-vous que les signalisations sont... Eh bien, pensez-vous que la signalisation est bien indiquée? Ok. Alors, Romain Michel. Bah non, carrément pas, parce que bon, ça m'est souvent arrivé de me gourer sur l'autoroute, tu vois, pour une sortie, quoi. Mm-hmm. Bah t'es teubé alors. Bah ouais, un peu aussi, c'est clair, mais bon, tu vois, des gens teubés, il y en a plein, hein. Mm-hmm. Il y en a même qui animent des débats, donc bon. Romain Michel, tu te calmes, sinon tu vas dégager. Y a pas de problème. Il y en a même avec des notes. Bon, tu continues de répondre ou pas? Bah oui, j'ai fini de répondre, donc c'est mal indiqué, je pense. D'accord, gros Clio. Pareil, c'est hyper mal indiqué, on voit rien du tout. Eh bien, c'est pas la peine de reprendre comme le précédent auditeur, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité, Gérard. L'autre fois, je me baladais, j'étais en train de marcher, à un moment, j'étais sur l'autoroute, je le savais même plus. C'est indiqué et tout, interdit. Ouais, ben, si, c'est déjà bien indiqué bien avant, hein. Alors, si. Moi, je peux te le garantir, c'est indiqué bien avant. C'est bien marqué avant que tu rentres sur l'autoroute, hein. À la barrière. Ils étaient arrachés. À la barrière. Ouais, Gérard. Donc pour toi. Moi je sais plus ce que je voulais te dire. Pensez-vous que la signalisation est bien indiquée? Oui, bah moi je trouve ça plutôt bien fait, même si je trouve que les panneaux sont pas assez gros. Parce qu'en fait tu les vois une fois que tu passes et faut pas passer trop vite. Moi toi en général je suis à 210. Mm-hmm. À 210 les panneaux tu les vois pas. C'est quoi. Ça, tu te foutrais pas de ma gueule là? Non, je suis VRP, j'ai pas de temps à perdre, donc voilà quoi. C'est ça, tu roules à 210 sur l'autoroute. Mais attends, Ouais. Je roule à 210 sur l'autoroute. C'est ça, allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit pour toi, terminé. Matouze. Oui, bah moi je trouve ça plutôt pas même bien indiqué, tu vois. Parce que c'est vrai que des fois, moi quand je sors de boîte, tu vois, on est un peu éméché, en fait, tu vois ce que je veux dire. Hein, tu connais ça, et ben je trouve ça plutôt bien indiqué quoi. Les panneaux ça nous aide beaucoup à rentrer chez moi. Et puis de sauter sur l'autoroute, espèce d'andouille. Bah oui, je prends l'autoroute pour rentrer chez moi, puisque la boîte se trouve à côté de l'autoroute. Espèce d'andouille à toi aussi. Ouais, espèce de tontouze, hein. Bon, disons que ça c'est pas très gentil de me dire ça, surtout quand tu m'appelles Matouze, hein. Ta gueule. Bon, alors, donc je te disais, donc pour reprendre un peu le sujet du débat sur l'autoroute, les panneaux ils sont très utiles, non seulement on les voit bien, et en plus ça peut servir des fois. Ça, y a certains panneaux que tu vois pas, espèce de. Tontouze. Quel genre de panneau par exemple? Bah t'as pas besoin. Routier. Bah vas-y, allez. Parle-moi mon frère. Vas-y, couche dans ta tontouze. Super, dis donc. Manu. Oui, je voulais qu'on accueille El Château. Il a la classe. Oui, bonsoir, c'est El Château, j'appelle des Sainte-Marie-de-la-Mer. La fréquence? En 13.3. Bonsoir. Non, tu as la question, tu l'as entendu? Ouais, tout à fait, sur les panneaux de signalisation, c'est ça? Voilà. Ouais, bah écoute, moi je pense que c'est vachement mal indiqué, parce que moi je sais que les gens de ma tribu, ils savent pas forcément tous lire le français, et c'est vrai que je pense que déjà au niveau des sous-titres, il y a un problème avec les panneaux en France, quoi. Mmh. Non mais moi je... Parce que quand même, bah pour les gens qui savent pas lire, bah les panneaux, ça représente pas grand-chose. Non mais même, de toute manière, moi je trouve qu'il y a certains endroits, c'est vrai que les indications sont pas tellement bien indiquées. Hein. Ouais. Il y a certains coins sur certaines autoroutes, les panneaux sont vraiment mal mis, sont mis un peu avant, mais ils mettent une sortie par exemple à 200 mètres et... Et puis elle est à 250, tu vois. Voilà. Ouais, et puis ils n'enlèvent pas les plaques de verglas aussi. Hein. C'est ça, t'as raison. Le truc qui est chiant sur les autoroutes, c'est qu'en fait quand tu te trompes, par exemple, tu loupes une sortie, t'es obligé de faire d'aller juste, enfin très loin, bah, tu vois, pour refaire demi-tour. Parce qu'à moins que tu fasses demi-tour, on marche arrière, mais. Non, t'as pas le droit. Déjà, il y en a une fois, il a voulu le faire demi-tour et. C'était une personne âgée. Non, ça s'est produit il y a pas si longtemps que ça. Il y en a un qui a fait une marche arrière et qui a créé un accident parce qu'il avait loupé sa sortie. Et ça, le mec, bon, il écoutait son Walkman. Il était en train d'écouter son Walkman dans les oreilles. Ah bah ouais, mais il est con aussi. Donc, y a pas moyen de s'envoyer Sandy là? Elle fait pas des tarifs étudiants par hasard? C'est qui dit ça? Bah, je sais pas, c'est gros clignot, Manu, il a besoin de moi, donc faut que je parte là. Eh ben, avec elle, y a pas de limite de vitesse, hein. Allez, au revoir! C'est vraiment n'importe quoi. Bisous sur le clignot de Sandy! Au revoir, gros clignot! C'est vraiment n'importe quoi ce qu'il dit, gros clignot. Non, mais comment. C'est toi, la tantouse, là. Dis donc, tu me parles autrement, tu me parles. C'est toi, je te parle. Quand je t'appellerai Potchamp, tu sortiras de sous le lit. Non, mais d'accord, mais tu viens sous le lit avec moi. Oh, ça y est, on t'a dit de te la fermer maintenant. C'est pas très gentil, il faut. Manu. Ouais, on reste dans les gitanes, hein, on accueille Félix Gray. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Sainte-Marie-de-la-Mer également. Ça fait tout tour, ta tête de frappe. Bah, tout de vous, tout en beau qui est là. Un, oh, trois. Ça y est là, ouais.
Rigo, il y a des questions, IRC ? Il y en a plein. Donc, vas-y. Alors, Carafa, non, ça c'est naze. Ah, vas-y, ouais, je te jure. C'est, frère, c'est, taf, hein. C'est un truc de ouf. Vas-y, hein. Invente-moi, Rigo, invente. Ouais, c'est clair. Max 204. Oh, ça y est, ouais. Je les coupe. Merci. Non, la foule, je les coupe. Tu dis, Manu. Je sais pas qui c'est. Hein. Ouais. Ça vient d'où, ça? Allez, mais couplez, là, que j'écoute les questions IRC. Oh, ta gueule. Tu penses un peu à ta mère. Ta gueule. Je les ai coupés. Hein. Voilà. Bon, ah, alors, c'est chaud, ça. Donc, je vais lire celle que je vois le plus. C'est une question du Yankee qui te demande si une pipe, c'est un arrêt d'urgence. Ouais, il y a longtemps que les questions sont terminées. Donc, sur les bandes d'arrêt d'urgence. Voilà, hein, ouais, tu te réveilles. Hallucinez pas, les gars. Pourquoi je lis pas grand-chose, quoi. Ce soir, c'est... Ouais, c'est la cata. Ouais, ok. On est combien, quand même? On est énormément. C'est-à-dire? C'est-à-dire 6042. Ah, bah, ça, t'as baissé, hein, depuis tout à l'heure. T'as 8000, ouais. Faudrait que tu montes ton cul, Gérard, pour monter. Ouais, ça. Bon, allez, dernière question. Croyez-vous que la sécurité est mieux sur autoroute que sur les nationales, Tantouze? Non, je m'appelle Matouz. Ça. Ouais, Tantouz, allez, réponds. Je veux pas te savoir. Moi, ça dépend, parce que des fois, c'est mieux sur la nationale que sur l'autoroute. Et puis, des fois, sur l'autoroute, c'est mieux que sur la nationale, parce que des fois, la nationale, ça peut être plus dangereux que l'autoroute. Alors, moi, je te pose... Je suis pas trop d'accord, moi, avec Matouz. Hein. Pourquoi? Moi non plus. Non. Pourquoi, par exemple? Romanichel. Fildar, par exemple. Ouais, non, mais attendez. Non, mais attends, Fildar. Oh, Tantouz. Problème, il était pas d'accord. Ouais, non, mais Tantouz, ouais. Pour l'instant, tu t'écrases. Bon, Romanichel. Ouais, je suis pas trop d'accord avec Matouz. Bah, moi, je voudrais savoir un truc. Quoi? Avant d'aller à la DAS, on t'a trouvé sur quelle heure de repos? Bon, allez, au revoir pour toi. Oh. Hop. C'est méchant, ça. Tu lui dis au revoir, Manu? Ouais. El Château. Ça va, ouais. El Château? Bah, excuse-moi, j'ai une question à te poser. Bien sûr. C'est quelle origine? Je suis bohémien. Bon, on s'en fout, tu as demandé à Félix. Ah, attends, demande à Félix Gray tout de suite, comme ça on sera tranquille. Félix Gray, je suis top spin à la part du trône. Tu serais pas dans la gitanerie? Ouais, tout à fait. D'accord. Voilà, top spin, génial. Grande folle. Ouais, Manu. On accueille Touche Mémiche. Bonsoir. Bonsoir, Touche. Touche! Ouais. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. Ah, c'est Henri, ça. Oh là. Comment va Pépette, en fait? Ah, la toujours patiné ton la break. La Pépette dans le break, c'est chaud. Elle servise. Bon, quand vous... la radio derrière, s'il vous plaît, merci. El Château. Ouais, bah écoute, moi, je suis plutôt autoroute parce que je suis plutôt fil de gauche. Et sur la nationale, si tu fais fil de gauche, t'es en sens inverse, donc c'est chaud. Mmh. Donc j'ai plutôt tendance à me ranger sur l'autoroute quand même, à me rabattre sur l'autoroute. D'accord. Mais faut faire attention quand on se rabat sur l'autoroute. Ah, ta gueule ! Ouais, je vais... Bon, fil d'art. Non, c'est pas moi. Ah, ta gueule ! Félix Ray. Je vais ouais, donc moi c'est plus autoroute aussi, parce que j'ai une décapotable, et puis il faut me voir débarquer à Marseille, les cheveux au vent. Ouais. Avec ma décapotable, ah ouais, j'ai la classe, hein, franchement. Mmh. Et j'ai travaillé avec Barbe Olivier aussi. Ah. Avec les Santiago, pour ceux qui se rappellent. Touche, machin, là. Ah, putain, j'aurais bien qu'il oh. Touche Ça fait partie de l'un de mes regrets de ma vie. Touche, là. Oh, mais merde. Je suis blanc. Touche, oh, tu réponds, là. Je vais pleurer, hein. Putain. Bon, ça va être terminé, parce que je... Mais non, mais ça... vas-y. Non. Pas touche, touche, là, tu réponds. Allô. Allô. Oui, putain, mais tu ouais, bah, il est où, lui, là? Tu m'appelles, t'as qu'à dire mon nom normalement, quoi. Touche les miches, là. Avec plaisir. C'est quoi la question? Allez, hop, au revoir, toi. Ah, bah, attends, vas-y, attends. Allez, hop, non, la question, c'est pas bon, entendu, j'étais avec moi au standard. Ton gazon. Bah, attends, il y a l'autre pouce, là, qui est en train, on comprend que dalle. Vas-y, repose ta question, quoi. Alors, croyez-vous que la sécurité est mieux sur l'autoroute que sur la nationale? Alors, moi, comme dit, j'adore la Saint-Denis et j'adore toute l'appellation, tout ça. Tu es des cochons. Merci, Fildar. Non, c'est pas moi. Alors, touche les miches. C'est qui fait le débat? C'est ta femme ou c'est toi, là? Touche les miches. Ouais. Oui. Eh ben, ouais, tu veux que je réponde peut-être, ou alors il y a l'autre pute qui va causer à ma place. Hein. Oh, l'autre pute, attends, merde, moi je te dis, allez, hop. Allez, terminé. J'habite là. Allez, tu lui dis au revoir, Manu. Il se trouve que cette pute est sa femme. Pas de bon, allez, hop. On va faire conclusion. Mais Manu, merde, couplet. On fait conclusion. Je voulais 10 secondes et je crache. Il y a un auditeur, je voulais accueillir Jeanne. C'est Jeanne. C'est chaud, c'est bon. Allez, emmène-moi.
C'est ça. J'entends rien. C'est quoi ton débat? C'est le bordel. Bon, allez, terminé, conclusion. Allez, question, là, une salut Gérard, c'est Jeanne. Bonsoir, les soyons. Bon, je sens qu'on va on va arrêter là tout de suite. Gérard, oublie pas de citer ta fête à ta mère. C'est habituel. Bon, allez, je suis désemparé devant l'ampleur de ce débat, moi. Offre-lui un petit chat mort. Allez, hop, conclusion. Tantous, conclusion du débat. Oh, mais, Tantous. Oui, moi, je trouve que ton débat, il était bien. Écoute, hein, franchement, un peu, des fois, il y avait des fois où ça partait un peu en couille. Mais quand même, là, ça va, quoi. Je trouve que t'assures. C'est dommage qu'on n'ait pas plus abordé le problème des prostituées sur le bord de l'autoroute qui cause des accidents. Bon, et Tantous, dégage en vain. C'est vrai que ça touche un problème à toi, quand même. C'est ça, Tantous, allez, dégage. Au revoir, Mazin. Bonjour Moussaillon, c'est les innocents. El Château. Ouais, bah écoute, débat du El Château. Allez tout le monde, hop là. Attendez, lundi on va rigoler, lundi soir. Ouais, mais attends, lundi soir, Max il va être au courant du bordel que vous avez fait. Je peux te vendre une caravane toute équipée. El Château. Y a pas de problème. El Château. Ouais, bah écoute, si tu veux passer nous voir, moi et mes camarades à la caravane, on te fera faire un tour d'autoroute. Moi je pense que tu pourrais centrer tes débats parce que ça fait longtemps que t'as pas mis les pieds dans un véhicule à roues. Donc les autoroutes, je pense que ça fait longtemps que t'en as pas vu, depuis une certaine plaque de verglas. Exact. Donc à la limite, la prochaine fois, tu fais un débat sur un truc que tu connais, je sais pas, les grosses mythomanes ou un truc comme ça, et puis ça pourra le faire, quoi. Ok, bonne nuit à toi. Je te souhaite une bonne nuit, connard. Toi-même, connard. Félix Ray. Moi, je dirais que c'était un bon débat. J'ai pas tout suivi, mais en fait, je voudrais te demander que tu me fasses un petit plaisir, si tu pouvais mettre les trois scuds là, pour que je gagne la barre, parce qu'il faut que je me refasse refaire l'anus. Tu verras ça avec Bob Gouin et Martin demain tout à l'heure. Voilà. Bonne nuit à toi. Non, il y a Jeanne aussi, il y a Jeanne. Jeanne. Ouais, c'est Jeanne. C'est bon. Allez, emmène-moi. Plus fort. Encore. Il était bien, il était chaud ton débat, Gérard. Ouais, c'est tout? Ouais, vas-y, Sandy, vas-y, bouffe-le, Sandy, ouais, vas-y. Bon, allez, bonne nuit à toi! Oh là là, c'est toi-même la salope! Je coupe, hein. Oh là là. C'est toi-même la salope! Bon, alors, qu'est-ce que je veux dire? Conclusion de l'IRC maintenant. Oui, conclusion de Yankee qui te dit qu'il faut que tu sois heureux de pas payer de tarifs routiers quand tu te promènes avec ta femme. Mmh. Ensuite, énormément de gens qui disent que ton débat n'avait ni queue ni tête comme toi. Mais je les emmerde. Et je les comprends. Un débat gérardesque, une merde. Qu'est-ce que nous pourrions dire d'autre? Pierre Fouras et bonsoir qui conclut que sur radiogérard.fr.fm, tous les tarifs de péage Paris-Lyon et le guide du Ricard Tricard avec les meilleures adresses de garage pour se faire nettoyer le pot. Excuse-moi, mais Pierre Fouras, en parlant de conclure, est-ce qu'il a conclu lui? Ah, je crois pas, non. Ah. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce débat? Un bon débat, bien carré. Il n'y a plus rien. Et on a terminé à combien, quand même? En tout cas, c'était se faire nettoyer le pot par des poilus en salopette, je précise. On a terminé à... Et on a terminé à 5132, malheureusement. Bah, tant pis. C'est pas grave. Bon, donc, qu'est-ce que je veux dire? Bon, débat mal orienté, comme Max n'était pas là, donc ça a été un peu le bordel, comme d'habitude. Attends, franchement, je trouve... Ça a été le bordel! Moins de bordel, hein. Je sais pas ce qu'en pense Olivier de la Pro, qui vient d'arriver dans les studios. Non, moi j'ai écouté, c'était bien, c'était clair, c'était... Non, ouais, surtout celui qui s'amuse à faire la... Surtout celui qui s'amuse à faire la tentouze. Hein? Celui qui s'amuse à faire la tentouze. Ouais, tu crois que j'ai pas reconnu ta voix, espèce de travelot, va? Non, c'est un peu... Le problème, c'est que c'était pas ton débat, quoi. Ouais. Celui de Rigo. Non, c'est ça, t'as raison. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? Ouais, donc Max sera pour les 10 ans de fun, 10 ans de fun radio le 20, donc c'est-à-dire ce soir 26 mai, donc le Fuse à Bruxelles, donc allez-y nombreux et nombreuses. Donc, d'après ce que j'ai cru entendre dire, il paraît qu'il y aurait sûrement Bob, Gwen et Martin qui devraient y aller. Oh, ouais. Tu me laisses mon micro allumé? Merci. D'après ce que j'ai entendu dire, il y aurait Bob Gwen et Martin qui devraient y aller. Je sais pas si t'es au courant. C'est quoi ce son là? Oh là là, ça sature, je crois. Oh! Oh là là. Ah là, c'est une horreur. Mais c'est pas beau! C'est pas bizarre, mais Gérard, reviens! Gérard, reviens!
Bon, tu me remets mon micro, tu as été. Mais c'est bon, il y a ton micro, mets ton casque. Alors, donc samedi. Donc samedi, donc, elle est où au Fuse aussi? Samedi. Elle est à la fusée. Elle samedi 27. Samedi. Oh! C'est Olivier! Chaud! Ah, je suis blessé. Samedi 27, le dandy, ça. Clarence. Je ne vous oublierai pas. Je crois que le vendredi, c'est au Fuse, à Bruxelles, pour les 10 ans de Fête Belgique. Oh! Putain, ils mettent en route en face. Oh! Putain, mais oh! Oh! C'est pas fini, hein! On se croirait dans une radio. Donc, samedi 27 mai, le dandys à Clarence. À Clarence. Donc, Tarpeau, Mirmande, Hoche, Toulouse et Poix. Oh! C'est eux, hein? Ouais, ben, c'est plutôt ici, oui. Mais non, attends, c'est... Terminé pour ce soir. Donc, vous retrouverez Max Le machin tempo chaud, là. Ricky, t'es tout pas drôle. J'ai même pas la fiche du prochain disque. Ah, excuse-moi. Alors, il y aura deux disques. Il y a deux fiches. Ah bon fiches. Bah, j'ai qu'une fiche, dites donc. Non, mais c'est un... Oh, Ricky, là, ça va. Ricky, la belle vie. Café, toi, Gérard. Oh. Ricky, je t'ai pas encore annoncé, maintenant je vais t'annoncer, on va... Donc ça va être les déchaînés du Lévier avec Viens sur la 6, j'ai la crotte sur le rail de sécurité. Et le deuxième? C'est le même, c'est un double. Ouais, c'est une double. C'est une compil. D'accord. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Donc Max, t'aimes bien les doubles, toi, hein? Max, vous le retrouverez dimanche soir pour le... Dès 22h si ça va mieux, donc pour... Si ça va pas mieux, c'est toi qui fais éclectique. Non, ce sera Olivier de la Pro. Donc Max, dimanche 22h pour éclectique et balade nocturne, ça sera la 60... combien? Hein? Ça sera la combien de balade nocturne? 69. 60, n'importe quoi. Donc voilà, donc vous allez retrouver Ricky pour la nuit sans pub et moi je vous dis à très vite. Début juillet. Le 6 juillet maintenant. Oh, le 6 juillet pour la route. Tu reprends la route. Bonne nuit à tous.